Job 38, les versets 31 à 33. Mstari yake ya 31 kufika 33. Notes-tu les liens des Pléiades? Et tu unaungaka vifungo vya Pléiades? Ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Au nafungula kama kamba za Orioni? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et tu unaonekanishaka mwakati yao ili alama za zodiaki? Et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Na eti unaongozaka ndubu kubwa na watoto wake? Connais-tu les lois du ciel? Et unajua sheria za mbinguni? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Et unaongoza uwezo yake pa budongo? Matthieu 6, Matayo 6, versets 9 et 10. Mstari wake wa 9 na wa 10. Voici donc comment vous devez prier. Basi tazameni namna gani mnapasha kuomba. Notre Père qui est aux cieux, Baba yetu aliye juu mbinguni, que ton nom soit sanctifié, jina lako litukuzwe, que ton règne vienne, ufalme wako uje, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Na mapenzi yako ifanikiwe duniani kama mbinguni. 1 Corinthiens 15, wa Korinto wa kwanza 15, 40-41. Il y a aussi des corps célestes, kuna kuya pia mili za kimbinguni, et des corps terrestres, na mili za pabudongo. Mais autre c'est l'éclat des corps célestes, basi ingine ni mianga za mili za kimbinguni, autre celui des corps terrestres, ingine ni ile ya mili za budongo, autre c'est l'éclat du soleil, ingine ni ile mwanga ya jua, autre éclat de la lune, ingine ni ile mwanga ya mwezi, et autre l'éclat des étoiles, ingine ni ile mwanga ya manyota. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ata nyota moja inachana na nyota ingine mkutoa mwanga. Enfin, Genèse 49. Basi kwa ajili ya kumaliza Mwanzo 19. Je vais lire seulement les versets premiers. Minasoma tu mstari yake ya kwanza. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Yakobo alita wanawake na akasema kusanyike. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Demitangazia ile itafika mwakati ile itafata. On va prier. Taomba. Mon espoir ne se fonde que sans de Jésus, sans rien en est profondément. Si Christ oxo l'aide, je me tiens, les restes n'est que sable mouvant. Amen, c'est Christ, soli, je m'éteins, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable. Seigneur Jésus, tu es le roc solide sur lequel nous nous tenons. Ce monde passera, tout n'est que du sable mouvant. Nous regardons à toi, notre Sauveur et notre Dieu. Commençons par te dire merci pour le souffle de vie.
sommes venus t'adorer, écouter ta parole. Ô Dieu, parle-nous de cœur à cœur. Ne laisse personne sortir comme il est venu. Que ta grâce puisse animer nos âmes, afin que Dieu Tout-Puissant, nous sortons de cet endroit béni, touché par l'Esprit, guéri des malades, Seigneur. Nous te disons merci pour tout. Reçois l'honneur, reçois la gloire au siècle des siècles. Bénis tes enfants qui sont arrivés et ceux qui sont encore en chemin. Bénis ceux qui suivent en ligne, ô Dieu. Que l'onction spéciale touche chacun. Que ta grâce spéciale puisse être la bénédiction et le partage de chacun. Nous avons vraiment besoin de toi, parce que personne ne peut te contacter et rester le même. Laisse que la connexion du Saint-Esprit avec nos cœurs puisse produire, ô Dieu, un résultat positif. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la bénédiction. Merci pour la grâce. Merci pour l'élévation. Merci pour le placement. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu peux apporter de meilleur. À toi les honneurs, à toi la gloire, à toi la magnificence, toi qui vis au siècle des siècles. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais commencer par une citation de Frère Branham dans Questions et réponses sur le sceau. Napenda kuanzia hapo na ndiko ya Dr. Branham maswali na majibu pa Muri. Nous arrivons presque à la fin du zodiaque. Tunafika karibu na mwisho ya zodiaki. On peut clôturer ça. Alafu tunaweza kuimaliza. Paragraphe 334. Fungu yake ya 334. Maintenant, si vous remarquez, sasa, kama tu munatambua, lorsque j'ai posé la pierre angulaire du tabernacle, wakati nilitiaka ile libwe ya pembe ya maskani, il a dit fait l'œuvre d'un évangéliste. Alisemaka fanya ile kazi ya mwinjilisi. Et maintenant l'ère approche. Na sasa wakati nakaribia, où cette œuvre va faire une séparation. Mwile wakati, ile kazi itafanya utenganisho. Quelque chose d'autre est en train de se produire. Kitu moja ingine iko nenda na kutendeka. Alors je suis point point. Alafu niko nukta nukta. Vous voyez? Munaona? Vous voyez? Munaona? J'arrive ici. Mina fika hapa. Et j'essaye de faire de l'évangélisation. Na mina jaribu kufanya kutangaza kwa injili. Et quelque chose d'autre. Na kitu kingine. Et voyez où vous en êtes? Basi munaona fasi ile mlishafikia? Voyez? Naona? Vous êtes point point point. Nukta nukta. Oh, hey. Je m'attends à ce que l'Église soit assez spirituelle pour comprendre. Niko na ungoje ya mkusema kanisa ikuwe ya kiro kabisa kwa ajili ya yo kuelewa. Le ministère de William Branham, ile uduma ya William Branham avait les deux parties. Ilikuwa na ile masehemu mbili. Il y a eu un moment wakati, où il a fait l'évangélisation. Kazi ya kutangaza injili. Et pendant l'évangélisation, wakati wa kutangaza injili, c'est là que vous pouvez l'écouter dire j'ai prêché exactement comme Paul. Pale mnaweza kumsikia anasema nilihubiri kabisa kabisa kama Paulo. J'ai prêché exactement comme Pierre. Nilihubiri kabisa kabisa kama Petro. Et ça c'était le moment d'évangélisation. Na ile ilikuwa ni wakati wa kutangaza injili. Attendant que l'Église devienne assez spirituelle, mukusubiri ya kwamba kanisa iwe ya kiro kabisa, pour être en mesure de comprendre, kwa ajili ya kuwa na uwezo ya kuelewa, autre chose en dehors de l'évangélisation. Kitu ingi
mwingine kutosha yako kutangaza injili. Parce que pendant l'évangélisation, wakati wa kutangaza injili, Branham appelle ça les années préparatoires. Branham anaita ile miaka ya matayarisho. Et l'église ne doit pas demeurer seulement au stade de l'évangélisation. Na kanisa ipashe kubakia mkiwanja tu paka kutangaza injili. L'église doit être assez spirituelle. Kanisa inapasha kuwa kiroho kabisa. Pour être en mesure de comprendre autre chose. Kwa ajili ya kuwa na uwezo wa kuelewa kitu ingine. Et quand on arrive à autre chose, wakati tunafikia ku kitu ingine, ça c'est ce que Paul ne connaissait pas. Ile njo ile Paulo akujuake. Amen. Amina. Dans le message de Frère Branham, lakini mujumbe ya ndugu Branham, vous trouvez il parle des choses. Mutakutanisha ko nasema mobindi. Et il est allé avec ça même jusqu'à 65. Faisant l'évangélisation. En train de jauger. Pour voir le niveau spirituel. Pour donner autre chose. C'est-à-dire dans des brochures que nous recevons. Il y a l'évangélisation. Et il y a autre chose. Bintu bingine. Et il y a des gens qui ne s'intéressent qu'à l'évangélisation. Et il y a des gens qui ont l'attention sur autre chose. Et c'est autre chose là qui rassemble l'épouse et lui donne la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, c'est dans les sept tonnerres. Et les sept tonnerres, ça Paul ne connaissait pas. Ne dites pas que tous les messages de Frère Branham, il n'a fait que répéter Paul et Pierre. Non. Ushisema sema ujumbe yote ya ndugu Branham alikuwa anarudiria paka maneno ya Petro na Paulo. Amna. Lorsqu'il les répétait, c'était des années préparatoires. Wakati alikuwa anawarudiria ilikuwa ni miaka ya matayarisho. Alors regarde ton frère, dis-lui sois assez spirituel pour comprendre autre chose. Sasa umutazame ndugu yako mwelezee kuwa wa kiroho kabisa kwa ajili ya kuelewa bintu. Sois assez spirituel, ma soeur. Dada yangu kwa wakiro kabisa. Pour comprendre autre chose. Kwa ajili ya kuelewa bintu bingine. Nous avons accepté Branham prophète. Tulimwichika Branham nabi. Parce qu'il est identifié dans Apocalypse 17. Kwani anatambulishwa mufunuo 17. Il est le sonneur de la trompette. Yeko mwenye ule kona pika baragumu. Pour révéler des mystères. Kwa ajili ya kufunua masiri. Le septième ange. Ule malaika wa saba. A inikema des mystères. Eko paka tu na masiri. Amen. Amina. Et si nous sommes enfants de William Branham, kama tuko batoto ba William Branham, soyons assez spirituels. Tukue bakiro kabisa. Pour comprendre. Kwa ajili ya kuelewa. Autre chose. Bintu bingine. Je pensais que tu as dit amen. Nilizania kwamba utasema amina. Voilà. C'est pourquoi vous voyez dans les langages de Paul. Ni kwa maana mnaona mumaneno ya Paulo. Ah, le grand Paul. Eh, Paulo mkubwa. Non, j'aime Paul. Eh, nampendaka Paulo. Paul a écrit. Paulo kweli aliandika. Paul a parlé. Paulo kweli alisema. Un grand mkubwa kabisa. Mais Dieu ne voulait pas le laisser dans l'ignorance. Walakini Mungu akupendaka kumwacha katika ujinga. Il dit, Paul, tout ce que tu as là, c'est petit. Asema, Paulo, biote bile kuna abio, ni tuloko. Amen. Amina. Mais Paul était rassuré. Paulo alikuwa na kikisho. Que ça sera vraiment lui en ce temps-là. Itakuwa kabisa, kabisa, yeye, mwile wakati ile. Suivons d'abord son langage. Tufate dans 1 Corinthiens chapitre 2. Kwanza msemeo yake, mwa Korinto wa kwanza sura yake ya pili. Au verset 4. Stari yake ya ine. Il dit, et ma parole, asema na neno yangu, ma prédication, maubiri yangu, ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, aikalie pa maneno ya kukankamisha ya hekima,
Mais kwa lakini, sur une démonstration pa maonekanisho d'esprit yaro et de puissance na ya uwezo. Parce que même le pasteur Pierre kwani hata mchungaji Petro commençait à ne pas comprendre bien Paul. Akwa na mwelewa mzuri Paulo. Il dit, Paul, toi tu es trop dur. Paulo, wewe unakuwa wa nguvu nguvu kabisa. Très haut. Unakuwa wa yulu yulu kabisa. Il dit, quand vous écoutez Paul, wakati unamsikiliza Paulo, faites attention. Kama unamshikia Paulo, kebange. Ah, ça c'est Pierre qui parle. Uni Petro ndio unasema. Parce qu'il prêche des vérités. Paulo yuko na ubiri maukweli. Mais tellement il est profond, tu peux aller blasphémer. Ukipimo ile Paulo kwa upana kabisa, unaweza kukufuru. Alors le pasteur Pierre a dit à l'église, faites attention quand vous écoutez Paul. Mchungaji Petro alielezea kanisa, mkebe ange wakati mnasikia mahubiri ya Paulo. Tellement que les apôtres zaidi vile ba mitume commençaient à beaucoup parler de lui. Balianza kusema kabisa kwa ajili yake. Parce qu'il était tout d'abord quelqu'un qui a beaucoup étudié. Un érudit. Ule alifunda kabisa, mwenye alifunda masomo mingi kabisa. Et ils ont pensé na barifikiri qu'il amenait sa sagesse. Ya kwamba alikuwa yuko na leta hekima yake intellectuel kielimu yake pour se faire supérieur kwa ajili ya kujifanya wa yulu ya bengine. Il dit non, ce n'est pas ça. Anasema amna haiko ile. Mes prédications, mahubiri, ma parole, mahubiri yangu, maneno yangu, ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Aikalie pa maneno ya kumikankamisha ya hekima. Mais je suis en train de faire une démonstration. Niko tu nafanya maonekanisho de l'esprit ya ro et de la puissance. Amen. Amina. Afin que votre foi fût fondée ili imani yenu ijengewe non sur la sagesse des hommes apana pa hekima ya watu mais walakini sur la puissance de Dieu ijengewe pa uwezo ya Mungu. Cependant kwa lakini basi, c'est une sagesse ni hekima que nous prêchons parmi les parfaits. Ah, Paul! Hey, Paulo! Donc, il était sûr que pendant que lui parlait là, les gens étaient déjà parfaits. Parce que ces choses-là, il faut les parfaits. Mais vous savez qu'avant la fin de sa vie, kwa lakini mnajua kwamba mbele ya mwisho wa maisha yake, Dieu l'a amené au ciel. Mungu alimupelekaka mbinguni. Il lui a montré les choses. Alimonesha mobintu. Qui allait venir. Bile bilipashaka kuya. Et quand il est rentré de l'église, aliruria anasema kanisa, changer de notes. Mubadilishe miandiko ile mliandikaka, mubadilishe. Changer de notes. Tout ce que j'ai prêché. Tout ce que j'ai prophétisé. Je connais. En partie. Mais. Quand ce qui est parfait. Sera venu. Itakuja, le partiel. Ya kinusu, disparaîtra. Itapotea. Donc, Paul a compris. Paulo basi alielewa. Que le parfait n'était pas asema ya ule ya mkamilifu ulikuwa bado haijakuya. Kipeni amen. Sema amina. Et nous vivons les jours du parfait. Je tuko naishi masiku ya ule mkamilifu. Et laisse-moi te dire. Na acha nikuelezee. Le parfait dont il est parlé, ce n'est pas Dieu. Ule mkamilifu ule beko nasema hapa haiko Mungu. Ce n'est pas Dieu. Haiko Mungu. Plus parfait. Mungu eko ule mkamilifu kabisa. Ce n'est pas de lui qu'on parle. Aina kwa ajili yake ndio yuko nasemea hapa. Si tu veux comprendre de qui il s'agissait. Kama unapenda kuelewa balikuwa banasemea nani? Voilà ce que frère Branham a prêché. Angalia kitu ndugu Branham alihubiri. La stature d'un Dieu parfait. Kimo ya Mungu mkamilifu. Ah? Ah? La stature d'un ange Kimo parfait. Kimo ya malaika mkamilifu. C'est non. Donc la statue d'un homme ya mutu parfait. Et frère Branham dit, cet homme parfait là, il est le tabernacle dans lequel
Dieu vient habiter. Ule mbutu mukamili fweko maskani. Ule mungu anakuya kuketi. Qui peut dire amen? Amina. Le parfait c'est un homme. Mukamili funi muntu. Et William Marion Branham. Marion Branham. Il écrit une lettre sonore. Ananjika barua ya kusikilika kulisikio. Il envoie Levi. Anamutumia ayo Levi. Il dit Levi. Anasema Levi. Je t'envoie ça. Inakutumia hii. Parce que tu es un croyant. Kwani wewe uko mwamini. Écoute ça. Sikia hii. Et après. Na kisha. Kasi jete. Ayo itupe. Mais Dieu. Kwa lakini mungu. Arrête. Levi. Alishika Levi. Il n'a pas jeté. Akuitupa pana. Il a gardé. Aliilinda. La lettre audio. Barua kusikilia kulisikio. A Levi. Yeba liandikia Levi. Et là-bas à l'intérieur. Amule ndani. Frère Branham me dit. Nuku Branham anasema. Quand je parle de la perfection. Wakati mina semea kuhusu kamilifu. C'est Branham. Ni Branham. Cette lettre. Barua saba. Qui peut dire amen? Sema amina. Qui peut dire amen? Sema amina. Qui peut dire alléluia? Sema alléluia. Le parfait. Ou le mkamilifu. C'est Branham. Ni Branham. Cette lettre. Erufi saba. Il n'a pas mangé le mot. Akukuria kuria mukinywa pana. Il ne s'est pas humilié. Akudinyenyekeza pana. Il dit le parfait c'est Branham. Ou le mkamilifu ni Branham. Vous le croyez? Muna yamini? C'est la vie éternelle. Ni uzima ya milele. C'est le pardon des péchés. Ni usama ya mazambi. C'est l'expiation. Ni maondoleo ya zambi. Salvation. Ni kuinyuliwa. C'est la guérison divine. Uponaji. C'est tout ce que vous cherchez. Ni yote ile mko natafuta. Lorsque vous voyez. Wakati munaona. Cet homme. Ule mtu. Avec les fils cramoisis. Na kamba mwekunda. Tenant les rachats. Mwenye kushika ukombozi. De l'humanité. Ya ulimwengu. Et il déclare. Na natangaza. Ceux qui ont cru. Pale bariamini. En ceci. Mui. Qu'aucun d'eux ne soit. Ata moja kati yabo asipoteye. Amen, amen, amen. Amina. Oh! Yeah. Cette sagesse, il est kiman que nous prêchons. Et tout na ubiri parmi les parfaits. Katikati ya wakamilifu. Sagesse et kiman qui n'est pas de ce siècle. Il est aiko ya carne hii. Vous savez que quand vous croyez Abraham le parfait, tu deviens parfait aussi. Unajua kwamba ukimwamini Branham ule mkamilifu na wewe unakuwa mkamilifu. Ce que Paul désirait. Il est Paul quoi na tamani. C'est moi qui suis en train de le vivre maintenant ce matin. Ni mi enjoni kuna ishi hapa sasa ya asubuhi ya leo. J'enseigne ces profondeurs au parfait. Niko nafundisha ima upana kwa wakamilifu. Pendant que je t'appelle parfait. Wakati ninakuita mkamilifu. Ne regarde pas l'erreur que tu as fait au courant de la semaine. Usitazame ku ile nkosa ulifanya katika wiki. Parce que ça c'est le diable qui essaye de te montrer. Ni shetani yule atafuta kuonesha hiyo. Tes fautes? Makosa yako. Pour ne pas croire que tu es parfait. Juu shamini ya kwamba uko mkamilifu. Oh, laisse-moi prendre quelque chose. Eh, acha nikuoneshe kitu moja. Laisse-moi prendre quelque chose par rapport à ça. Acha nichukue kitu moja kulingana na hii. Nous allons continuer avec le verset. Laisse-moi ici. Tuendelesha na hii mstari. Je prends divinité de Jésus. U Mungu wa Yesu. En 1949. Ya mwaka wa 49. Je prends le paragraphe nachukua kifungu yake ya 80 samanini et cette même puissance na iuwezo moja moja ce même Christ huyu Kristo moja moja Branham dit haleluya Branham sema haleluya oh laissez ces fondamentalistes. Mwache wale wakimisingi. Laissez ces gens. Mwache wale watu. Qui renie la puissance de Dieu. Wale weko na kana uwezo ya Mungu. Dire que les fausses. Weko na sema iko ya biabongo. Laissez les dire que les fausses. Mbache basema sema iko ya biabongo. Mais. Kwa la la même puissance il est uwezo moya moya qui a appelé le monde à l'existence yenye iliumba dunia
se trouve il est ouezo iko dans ces gens ndaniababantu qui ont le Saint-Esprit. Balebeko na Rome takatifu. C'est vrai. Ni kweli. Homme et femme. Banaume na banamuke. C'est le moment. Njo wakati. Pour nous. Kwa ajili yetu. De découvrir. Ya kuvumbula. Qui vous êtes. Weye muko banani. Qui peut dire amen? Sema amina. C'est le moment. Njo wakati. De découvrir. Ya kuvumbula. Qui vous êtes. Weye muko banani. Le diable Shetani essaye de vous barrer la route. Eko na jaribu kukufungia njia. Vous disant mukukuelezea que vous n'êtes qu'une petite asema, poule mouillée. Weko tu ka nkuku ka kulobana. Vous ne l'êtes pas. Auna nkuku wa kulobana. Vous êtes fils Muko et fille de Dieu. Na binti wa Mungu. La divinité Bumungu n'est pas au ciel. Abuna mbinguni. Elle est en vous. Bumungu buko ndani yenu. Alléluia. Alléluia. Je sais. Najua. Que vous pensez. Kwamba mko nafikiri. Que je suis fou. Asima niko majimu. Mais. Kwa lakini. Laissez-moi vous dire quelque chose. Acha nikueleze kitu moja. Lorsque vous vous rendez compte. Wakati unatambua. Que le Dieu tout puissant. Asema Mungu mwenyezi. Vit en vous. La vie immortelle. Je donne ma vie. Zoé. La vie de Dieu est dans l'être humain. Bien aimé frère. Le vendredi. Je vous ai lu. Frère Branham dit que lui il croyait que la seconde venue aura lieu au printemps. Et le printemps c'est le mois d'avril. Et je vous ai dit en réalité le jour où Jean-Baptiste présente Jésus au Jourdain. Ce n'est pas ce jour-là qu'il est venu. Il était déjà là il y a longtemps. Amen. Mais le Jourdain, c'était la présentation. Jésus est venu en 1909. Regardez la confirmation. Regardez la confirmation. En 1949, Branham dit, Branham anasema, la divinité n'est pas au ciel. Bumungu abuna mbinguni. Jésus n'est pas venu en 63. Il était venu il y a longtemps. Nous prenons la date de 63 comme la présentation officielle. Cela, il a dit, voyez-vous ses yeux. Voyez-vous sa barbe. Le retour de la colonne de feu. Au-dessus du berceau. C'est la venue du Seigneur. À qui peut dire amen? Qui peut dire alléluia? Alléluia. La divinité n'est pas au ciel. Bumungu abuna kumbingu. Frère. Ndogo. Sœur. Dada. Le diable. Shetan. Essaye. Eko na jaribu. De vous barrer la route. Kukufungia njia. Vous montrer. Mukonesha. Que tu n'es qu'une petite poule. Wewe uko tu kankuku. Quand je te dis en acceptant Branham, tu deviens parfait. Lui, il te montre l'erreur que tu as fait hier. Pour te dire que non, comment toi tu peux être parfait? Tu ne vois pas ce que tu as fait hier. Branham dit, vous ne l'êtes pas. Branham ansema, peu importe vos erreurs, fils de Dieu, fille de Dieu, la divinité est en vous.
Et qu'est-ce qui rend l'homme parfait? Na nini na kuisha mtu mkamilifu? La divinité. Ni bu Mungu. Tu es parfait. Uko mkamilifu. Ah, saluez le parfait à tes côtés. Mkamilifu pembeni yako. Ah, tu es parfait. Uko mkamilifu. Parfait. Mkamilifu. Ne signifie pas aifie kusema que tu n'as pas des erreurs. Kusema hauna na makosa. Tu auras des erreurs. Utakuwa na makosa. Tu vas les arranger. Utaitengeneza. Mais tu es parfait. Walakini uko mukamilifu. Je vais attendre un grand amen. Sema amina kubwa. Un amen qui fait mal au diable. Amina ile kona muuma shetani. Oui, je suis Dio parfait. Mukamilifu. Amen. Amina. Alors basi, cette sagesse yekima est prêchée inaubiriwa parmi les parfaits. Katikati ya wakamilifu. Sagesse yekima qui n'est pas de ce siècle. Il est aiko ya ikarne ni des chefs de ce siècle. Wala ya wa chef wa ikarne qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse ekima, qu'aucun chef de ce siècle n'a connu. Il est ata chef moja wa ikarne akujua. Car s'il l'eût connu, kwani kama walijuaka, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Awakupashaka kumusulubisha ule bwana wa utukufu. Là, il attaque des sacrificateurs. Pale anashambulia wakoani. Il dit, ils ne connaissent pas anasema, cette sagesse. Awajue ii ekima. Parce que s'il le connaissait, kama walijua ii ekima, il ne le crucifierait pas. Awakupashaka. Et frère Branham prêche, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus en 1963 du haut de leur chair. Amen. Amina. Ils ne connaissent pas. Abajoui. C'est pourquoi il les crucifie. Et pensant rendre un service à Dieu. Oui, ils étaient sincères. Mais dans l'erreur. Et Paul est en train de les attaquer. Il dit Dieu. Oh, mais comme il est écrit. Ce sont des choses. Ni ma binte. Que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est vous et moi. Parce que Paul, à la fin, il va comprendre que lui n'est pas classé par rapport à l'avènement de ces choses. Et il va nous saluer de loin. Il dit Laodicée. Je vous salue de loin. Amen. Amen. Ces choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a jamais entendu, c'est jamais monté au cœur de l'homme, Dieu l'a gardé pour les gens qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonne de tout. Tout, même les profondeurs de Dieu. Ata
bana za Mungu. L'esprit sonde tout. Ro iko na chunguza byote. Même les profondeurs de Atama Dieu. Bana za Mungu. Et tout ça, ça dépassait les autres apôtres. Na yote hii, wa mitume wengine wakwe na yelewa. Et frère Branham nous dit à nous. Na ndugu Branham natuelezea shee. Il nous attendait. Asema alikuwa na tuongojea shee. Que nous puissions atteindre un niveau spirituel. Tupate kufikia mukipimo fulani ya kiro. Pour comprendre. Kwa ajili ya kuelewa. Qui peut dire amen? Sema amina. Et le grand Paul dans Romains 15, 17, il dit, mkubwa Paulo mwa Roma 15, 17, nasema, j'ai donc sujet basi niko, de me glorifier naweza kujitukuza en Jésus-Christ ndani ya Yesu Kristo pour ce qui regarde les choses de Dieu. Kwa ajili ya ile inaangalia bintu bya Mungu. Il est fier. Eko na fieri. Par rapport à ce que Dieu lui a fait grâce. Grâce qu'il n'a pas fait à Pierre. Qu'il n'a pas fait aux autres. Qu'il n'a pas fait aux autres. Il dit, je me glorifie. Dans les dans les choses de Dieu. Ah, Paul était grand. Hein? Et il voyait que vraiment Dieu l'avait fait beaucoup grâce. Mais dans Corinthiens 15, 9, il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Et surtout la mort d'Étienne. Ça ne l'a jamais quitté. Au moment où il était encore ignorant, il pensait être dans le vrai. Il a tenu les habits de ceux qui tuaient Étienne. Il dit, même si moi je ne lui ai pas jeté la pierre, mais j'étais là. J'ai gardé les habits. Et ça n'a pas quitté sa conscience. Il se reprochait toujours ça. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, il faut beaucoup de patience. Beaucoup de réserves. Beaucoup de maîtrise. Ne sois jamais pressé pour appeler quelque chose faux. Le message est une encyclopédie. Dis seulement que jusqu'à présent, c'est comme ça que moi je comprends. Mais ne dis pas que c'est faux. Parce que tu n'auras pas le courage de dire encore c'est vrai. Le message est vaste. Le message est grand. Le message, c'est la pyramide. Et dans la pyramide d'Enoch, pyramide d'Enoch n'a pas d'ombre. Aikalake na kimvuri. Quand tu montes, wakati kuna panda, tu penses que tu es seul. Kuna wazia sema ukuwe mwenyewe. Mais de l'autre côté, il y a aussi les gens qui montent. Uko bantu bengine na bobe kuna panda. Tellement c'est au centre. Bile ko pakachikachi. Ça ne donne pas l'ombre. Aitoake kimvuri. Tu ne sauras pas. Hautajua. Que comme je monte, hapa ndiko napanda. Il y a aussi les gens qui montent. Bengine na bobe kuna panda. C'est au sommet. Niku nchongo. Que vous allez vous étonner. Oh, toi aussi tu étais là. Oh, toi aussi tu montais. Hey, avec le message de Branham, soyez réservés. Na ujumbe ya Branham kuyako wakurikokota. Qui peut dire amen? C'est ma amina. Il dit, je ne mérite pas être appelé apôtre. J'ai persécuté l'église. Nirisulubishaka kanisa. Et ça, ça les diminuait. Na ile kwa kana mupunguza. Et l'infirmité. Lui qui son ombre
guérissait les malades. Ye ule kimvuri kyake kikwa naponesha wagonjwa. Mais Dieu l'a laissé infirme. Lakini Mungu alimwacha na ulemavu. Il dit plusieurs fois. Anasema mara mingi. J'ai demandé à Dieu. Nilimuomba Mungu. De m'ôter cette infirmité. Aondoe ile ulemavu ndani yangu. L'histoire dit qu'il était boss. Historia nasema alikuwa na kabosi. Et cela là un peu changé la forme du visage. Il n'était pas beau à regarder. Il dit plusieurs fois, j'ai demandé à Dieu, ôte-moi ça. Mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Ces choses là, ça diminuait Paul. Mais quant à la révélation, il était inégalé des autres. Il était grand. C'est pourquoi Dieu a fait de lui-même prophète. Et Fabanam dit, dans Apocalypse 4, il dit, pour un grand docteur, Paul en était un. Kwa ajili ya mwalimu mkubwa, Paulo alikuwa mwalimu mkubwa. Il en était un. Alikuwa kabisa mwalimu mkubwa. Ça ne veut pas dire que Paul n'aimait pas les autres. Aifie kusema Paulo akupendaka wengine. Qui n'était pas humble, il était humble. Akuwa mnyenyekevu, Paulo alikuwa mnyenyekevu. Les problèmes avec nous dans les zodiacs. Mambo nasi katika zodiaki. Les natifs sous l'eau. Waliozalika chini ya maji. Ou l'air. Wala chini ya pepo. Pense qu'à cause des raisons spirituelles. Wanafikiria kwamba kwa ajili ya ile bego bakiro. Ils sont humbles. Bego banyenyekevu loabo. Non, ça c'est une nature charnelle. Hapana, ile ni asili ya kimwili. Juste comme on l'a montré, que tu peux être doux et calme, mais à l'intérieur, tu es méchant. Unaweza kuwa mpole na mtulivu, lakini ndani yako uko mkali. En parlant avec les gens, mkuzungumza na watu, on peut remarquer. Wanaweza tambua. Et un frère peut être bouillant. Na ndugu mwana anaweza kuwa moto moto. Ouvert. Wa kuchamuka. Mais il est humble. Lakini eko mnyenyekevu. Il est poli. Eko wa adabu. Et ne faites pas l'erreur de prendre les choses de Dieu et l'amener dans la vie charnelle. Dans les choses de Dieu, il y a une certaine suprématie. Dans les âmes qui sont en prison, Branham dit au paragraphe 116, les ministères doivent être semblables. Au point qu'il a dit, je vois certains de vous inscrire les passages de l'Écriture, Saint Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous voyez, les œuvres, prêcher aux perdus, guérir les malades, et ensuite ceux à qui il est impossible d'être sauvé. Vous voyez, l'œuvre a continué de la même manière. Puis-je le dire comme ceci? Les ministères de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. Qui peut dire amen? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église dans ces derniers jours. Il dit, c'est ce que beaucoup de nous croient. Je crois avec vous. Est-ce que beaucoup de gens croient ça ici? Pas tout le monde. Aina bote mimi naona.
que le ministère de Jésus a été réincarné dans ces derniers jours. Il dit, c'est ce que beaucoup de gens ici croient. Est-ce qu'il y a les gens qui croient? Amen. Il dit, je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. C'est moi. Pas vous. C'est moi qui suis concerné. Qui peut dire amen? C'est ma amina. Jean 14, 12. Le ministère de Jésus réincarné dans son église en ces derniers jours. Branham dit, c'est moi qui suis concerné. Qui peut dire amen? Un amen est très fort. Amen en gouvou kabisa. C'est des choses qui amènent nos âmes dans la gloire. Ni bintu bile biko napeleka manafsi yetu mutukufu. Je prends le 12e signe et on va développer. Mina chukua ile alama ya 12 na tutapanua. La grande ours, petit ours, les Pléiades, l'Orion. Ndubu mkubwa, ndubu mdoko, Pléiade, Orioni. Et on va clôturer. Na tutamaliza. Ce grand enseignement. Il m'a fondé chokubwa. 12e et dernier signe, c'est lion. Alama ya 12 na ya mwisho ni simba. Le patriarche, c'est Judas. Babu ni Yuda. La pierre, c'est d'abord émeraude. Libwe kwanza ni émeraude. Or, cette émeraude n'est rien d'autre que les diamants. Idiapo émeraude aiko kitu ingine sipokuwa tu almasi. C'est une sorte de diamant. Ni aina fulani ya almasi. Qui coûte beaucoup plus cher. Na inakalaka bei kabisa. Si tu tombes sur le diamant émeraude. Kama unapata almasi émeraude. Ah là. Pale. Tu vas rire, hein. Utafurai kabisa. Tu peux en avoir juste un petit. Naweza kupata tu ni kaloko hivi. Mais ça va être acheté extrêmement cher. Kata batakanunua kwa bei kubwa sana zaidi. L'émeraude, émeraude, et aussi la sardoine. Nayo pia iko tena sardoine. Par rapport à la pierre de la seconde venue qui est le lion. Mukulingana na ile ribwe ya ujio amale ya pili iliyokuwa simba. L'élément c'est le feu. Kipengele yake ni moto. La planète qui influence ce signe, c'est le soleil. Sayari yenye kuna vuta I alama ni jua. La saison, c'est l'été. Wakati wala mashairi yake ni wakati wa joto. C'est le natif. Ni walio zalika. Du 23. Kwanza tarehe 23. Juillet. Mwezi wa saba. Au 22 août pour un calendrier. Kufika mutare ya 22 mwezi wa 8 kwa ajili ya kalendari fulani. Comme je montrais que il y a parfois l'avance d'un jour ou le retard d'un jour. Kwa wakati mwingine ku kutangulia kwa siku moja wala kuchelewa kwa siku moja. Il y a des calendriers aussi qui vont du 24. Kalendari nyingine inaanza kutare ya 24 mwezi wa 7 au 23 août. Kufika 23 mwezi wa 8. Et les gens qui sont presque à la limite de 2 mois. Na wale watu weko kabisa kumwisho ile mkatikati ya ile miezi 2 devront regarder là où le signe va vraiment avec son caractère. Wanapasha kutazama kabisa kule alama inenda na tabia yake.
C'est le signe des rois. Ni alama ya wafalme. Des princes. Ya wana wa wafalme. Des acteurs. Ya wa watendaji wa kinyango. Et des puissants. Na ya wa uwezo. Ils sont nés pour diriger. Walizalika kwa ajili ya kuongoza. Leur couleur. Rangi yao. C'est l'orange. Ni l'or. Zabu. Planète, le soleil, comme je viens de parler. Asayari, jua, paka minitoa kusema hapa. Principale qualité. Ama alibora yabu ya mzuri. Le courage. Ni odari. La droiture. Maisha kunyoloka kabisa. La loyauté. Ile uaminifu maneno yao. Ça c'est d'abord en dehors de la nouvelle naissance. Hii kwanza alikutosha kama mtu alishazalika mara ya pili. C'est sa nature. Ndio asili yake inapasha kuwa vile. La générosité. Roho mzuri. Intègre. Wa maisha ya kunyoroka kabisa. Sens de l'honneur. Wa kuwa na ile nia ya heshima. Généreux. Wa roho mzuri. Miséricordieux. Wa roho ya buluma. Enthousiaste, wa kuchechemuka, innovant, wa kutunga bitu bipia, mais aussi mordant, tena wa makali kabisa, audacieux, wa makamakama, synthétique, wa usafi, débrouillard, bakurita futishia, principaux défauts, makosa minene minene, l'orgueil, kiburi. L'irascibilité, kishilani, la susceptibilité, kudito akabisa, la jalousie, puivu, ne supporte pas son ombre d'être mis au placard. Apenda kibamo kikubwa. Sadi ne le diminue pas. Apenda kibamo kumkoa, apenda ke umutawale. Trop autoritaire. Anapendaka kwena mamlaka ya mingi. Narcissique. Narcissique. Wachoyo. Personnalité. Umutu. Le lion. Simba. A un esprit noble. Eko na ro ya kurionesha. Et vous séduira par sa générosité. Na atakutongoza kwa ile roho yake ya mzuri, ya roho mzuri. Sa serviabilité. Kwa vile eko na saidia watu. Sa bienveillance. Kwa wema yake. Très poli. Wa adabu kabisa. Il cache une personnalité rayonnante. Anafuchika umutu ule wa kumeremeta. Mais kwa lakini égocentrique. Mwenye unyangu nyangu. Les obstacles et les difficultés ne lui font pas peur. Bikwazo na magumu abimongo pishake. Sa volonté. Il est mapenzi yake. Est invincible. Hakuna namna ya kuiwina. Il est capable de poursuivre son but inlassablement. Eko na uwezo ya kuandama kifukuzio kyake bila kuchoka. Doté d'un magnétisme puissant. Mwenye kuwa na asmaku yenye uwezo. Et d'une force de caractère hors de commun. Na nguvu ya tabia ile napitia batu bote. Son obstination dans la poursuite de ses objectifs. Kifukuzio kyake mashaba yake. Peut parfois l'amener à des profondes crises émotionnelles. Inaweza kumupeleka mkwa na... Na maukosefu moja machichemuko. Et psychique. Na ya akili ya kichwa. Honnête et fidèle. Mwaki na mwaminifu. Il fuit les miskeneries et les bassesses de la vie. Ego na kimbia bujanja na maisha au ovyo ya chini chini ya maisha. Il déteste particulièrement les mensonges. Apendake kabisa bongo. Il vit chaque expérience en profondeur. Eko na ishi kila mazoezo kwa upana. Et apprécie d'être le centre d'attention. Na nafurahiaka kuye fasile watu wote wanamtazama yeye.
une personnalité extravertie. Mutu mwenyewe wa kulitosha nje. Ah, il n'est pas introverti comme d'autres signes. Anaingiza ndani kama maalama ingine. C'est-à-dire lui, lakini yeye, quand ça ne va pas, il te fait voir que ça ne va pas. Abiendeke atakonesha sema abiendeke. C'est pas des hypocrites. Ye, wana wanafiki. Quand il te dit ça va, ça dit ça va. Ya sema iko sawa, maana yake iko sawa. Ah, c'est des gens comme ça. Ma, ni batu ba namna ya vile. Il a besoin de se trouver aux commandes et ne supporte pas de dépendre des autres. Eko na lazima yeye anze kuongoza, apende alingane na watu wengine. Autrement dit, il aime paraître. Kusema kwingine anapenda yanze kuonekana. Influencé par le soleil. Mwenye anavutwa na jua. Débordant de gaieté. Mwenye kwa na wema mingi kabisa. De générosité. Na roho ya buluma ya mingi kabisa. Et d'affection. Na roho ya mapendo kabisa. Il est chanceux dans la vie. Eko wabati mu maisha. De tempérament vif. Wama alia moto moto. Ses colères sont spectaculaires. Makisilani yake eko ya kushangaisha kabisa. Ses émotions à fleur de peau et ses ambitions grandioses. Machechemuko yake iko na bifukuzio ya munene kabisa. Il n'est pas à l'abri des erreurs répétitives. Yeye akose kufuchama kwa makosa ya kurudilia rudia wakati wote. Car malgré sa fierté, kwani aizuru ile fieri yake, et ses exigences envers les autres, na malazimisho yake mbele ya wengine, il peut très bien cacher une personnalité des émotions négatives. Anaweza kufuchika ile mania machechemuko mubaya kabisa. Néanmoins, kwa lakini tu, sa quête de pouvoir et de réussite, ile kufukuza kupata mamlaka na kuweza, est si intense, kuko kwa mingi kabisa ndani yake, qu'il croit fermement en la réalisation de ses désirs. Ile kipimo anaamini kabisa sema yeye atatimiza paka mania yake. La femme lion a de la grâce et beaucoup de charme. Mwanamke simba eko na nema kisha na urembo mingi. De caractère passionné. Tabia ya mania. Son rayonnement la rend irrésistible. Kule kumeremeta kwake kuna mkuisha wasipo kuzimpa. Vis-à-vis du sexe opposé. Mbele ya ngono ya kumpinga. Elle aime intensément. Anapendaka sana zaidi. Et vous fera des démonstrations spectaculaires. Na atakufanyisha maonekanisho ya kushangaisha. De ses prouesses amoureuses et sexuelles. Ya manguvu yake ya mapendo na ya kingono. Elle vivra des émotions intenses toute sa vie. Ataishi ile machechemuko kubwa kabisa maisha yake yote. Mais sera fidèle à celui qui saura l'apprécier à sa juste valeur. Walakini atakuwa mwaminifu kwa ule Bwana atamfurahia mwile hali yake ile. Pour cette native chaleureuse, kwa ile hali yake ya motomoto, une vie sans amour est une vie sans soleil. Maisha bila mapendo ni maisha ya shipo na jua. L'homme lion aime briller de tous ses feux. Mwanaume simba napendaka kuangaza na moto yake yote. Auprès de son entourage. Kando kando yake yote. Il a besoin de flatterie et d'admiration. Yeko na lazima bamupuze, bamubembeleze na bamufurahie. Grand conquérant. Bamuonesha seko yeko mwenye wa kutawala kipande kinene kabisa. Mais fidèle en amour. Walakini yeko tena mwaminifu kumapendo. Il comblera sa partenaire de bonheur. Atajaza mke wake na wema. Et fera preuve d'une ardeur spectaculaire. Na takikiza kwamba yeko na ile moto ya kushangaisha. Il s'épanouit dans une ambiance de luxe. Anapanukwa kabisa mumatendo ya bitu bizuri bizuri. Et de richesses matérielles. Na mautajiri ya Mari. Il se montrera généreux envers ceux qui l'aiment. Wa roya buruma mbela bole bote. Mais sa faiblesse, c'est le diminuer. Kwa lakini buzaifu bwake apendake kumushusha. Là, vous voyez sa colère. Pale utaona vile anashirikaka. Donc, des hommes fidèles, si c'est un homme. Ni batu baminifu kama ni mume. Le travail, le lion dans son travail kazi, ne passera jamais inaperçu. Simba mkazi yake haitapita kamwe bila kuonekana. Vous le reconnaîtrez. Mutatambua kazi yake. Par sa force, kupitia nguvu yake, son agressivité, kupitia ushambulio yake,
et vous apprécierez son talent de nature curieuse et imaginative. Il est d'une persévérance inégalable dans son travail. Et ses idées avant-gardistes en font un bâtant, un acteur humanitaire sans comparaison. Il vous sera impossible de les traiter comme n'importe qui. Doté d'une intelligence supérieure, ce natif aspire au titre prestigieux. Et aux honneurs professionnels. Ne les sous-estimez pas, car il est né pour être un maître. Sa puissance de travail et sa volonté résiste aux plus rudes épreuves et il sort gagnant de toutes les situations. Il cherche la réussite et la gloire. À travers son périple professionnel, il aura caché ses blessures et ses déceptions, car sa fierté est inébranlable. Donc, cette façade si brave peut aussi cacher ses peurs et ses exaspérations et quelquefois provoquer une crise théâtrale au travail ou dans sa vie privée. Rassurez-vous, ce ne sera que passager, car il émergera très facilement des plus dures épreuves de la vie. Vous obtiendrez de lui beaucoup de satisfaction si vous savez le flatter et ne faites jamais mine de l'ignorer. Il n'a pas peur des responsabilités et il se révélera un employé efficace si vous savez les valoriser. La santé, le lion aura des problèmes au cœur et à la colonne vertébrale. Simba atakuwa na magumu kumoyo na kumufupa ya ubwima. Non, c'est ça, les natifs du lion. Awa ni wale waliozalika mwalama ya simba. Calme, watulivu, autoritaire, wenye mamlaka, et toutes ces choses-là. Na ile mabitu yote tunataya hapa. Et si une femme a un homme lion, na kama muke anaoana na bwana simba, si elle sait seulement flatter cet homme, kama tu yeye muke anajua kumupuza, kumubembeleza ule bwana yake simba, elle ne verra jamais son côté colérique. Et le problème, c'est lorsque c'est la femme aussi qui est lionne. Et que l'homme met d'autres signes. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un bon équilibre. Parce que les lions aiment dominer. Il aime prendre la première place. Ah, il aime le luxe, il aime les bonnes choses. Alors vous allez voir que ce patriarche, Judas, le quatrième, c'est vraiment lui akika ni yeye qui va prendre ce que Ruben a raté, ile a ce que Simeon et Lévi ont raté. Ile Simeon na Lévi parce qu'il dit, Ruben,
Ruben, tu es mon aîné, mais tu n'auras pas les droits d'aînesse parce que tu as souillé ma couche. Il arrive à Simeon qui est le deuxième fils, anafika kwa Simeon ule mtoto wa pili, et Lévi le troisième. Na Lévi mtoto wa tatu, il dit vous deux là, asma mwe bawiri, non. Amna, dans votre colère, mukisirani kienu, vous avez coupé les tarés, les jarrets de taureau. Vous n'aurez pas les droits d'aînesse. Mais arrivé à Judas, le quatrième, kufika kwa ule Yuda wa ine, il lui dit, tu recevras les hommages de tes frères. Asema utapokea maheshima ya banduku yako. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Mkono yako itakuwa pakabongoshi ya badui bako. Les fils de ton père ule mwa, wana wa baba yako, se prosterneront devant toi. Watainama mbele yako. Judas est un jeune lion. Yuda ni simba kiana. Tu reviens du carnage. Mwenye anatoka kurarua. Il ploie ses genoux. Anatwanga magoti yake. Il se couche comme un lion. Analala kama simba. Comme une lion. Kama simba muke. Il le fera lever. Ule atamlamusha. Le sceptre kikombe ne s'éloignera point de Judas, akita toka kamwe kwa Yuda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, wala ile gongo ya uongozi kati ya mikulu yake, jusqu'à ce que vienne le Shilo, paka na pale Shilo atakuja, et que le peuple commence à obéir à Shilo, na taifa itaanza kumtii Shilo. Il attache à la vigne son âne, ana s'il vous plaît, il attache son âne à la vigne. Anaunga ule punda wake kumzeituni. Et au meilleur cep les petits de son ânesse. Na ko, s'il vous plaît. Les petits d'ânesse au cep. Na mwana wa punda kumzeituni. Il lave dans le vin son vêtement. Anafulaka mavazi yake mudivai. Et dans le sang des raisins son manteau. Na mudamu ya matunda mizeituni kochi yake. Il a les yeux rouges de vin. Eko na mecho mwekunda ya divai. Et les dents blanches de lait. Na meno mweupe ya maziba. Et ici il parle de Judas, le quatrième fils qui était là. Na ape kona semea Yuda ole mwana wa ine mwenye alikuwa pale. Et comme je vous ai montré ça, parable ni mionesha yo, il voyait réellement aussi la semence qui allait venir beaucoup plus loin. Kweli kweli alikuwa kunaona pia ile mbeko ilipashaka kuwa kule mbali zaidi. Parce que naturellement, kwani mukiasili, Juda son père lui a donné cette prééminence. Yuda baba yake alimpatiaka ile utawala wa kwanja. Mais quand nous sondons des paroles qui en sortent de cette bénédiction, lakini wakati tunachunguza maneno yenye natoka mu ile baraka, nous trouvons que ça va au-delà de Juda l'homme qui était là. Unaona kwamba inapitia kabisa Yuda ule mtu alikuwaka pale. Et Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Na Yesu Kristo anaitwa ule simba wa kabila ya Yuda. C'est lui le quatrième. Ni yeye ndio ule wa ine. Il était le quatrième dans la fournaise ardente. Alikuwaka wa ine mutanuru ya moto. Qui a calmé la puissance de feu. Yenye ilituliza uwezo ya moto. Il était la puissance du quatrième jour devant la tombe de Lazare. Alikuwaka ile uwezo ya siku ya ine mbele ya kaburi ya Lazaro. Et il pouvait parler avec autorité Lazare. Aliweza kusema na mamlaka yote Lazaro ondoka. Il est Echo. La quatrième fois l'esprit d'Elie dans Malachie 4. Mala ya ine ya ro ya Elie ndani ya Malakia ine. Parce que Elie de ce jour, wani Elie wa siku ya leo, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Qui vient selon Matthieu 17. Ule anakuya kulingana na Mathayo 17. Et Luc 17 et 30. Luka 17 30. C'est encore lui dans Ephésiens 4. Tena ni yeye mwa Efeso ine. Les vrais auxiliaires. Wale wasaidizi wa kweli. Ils doivent continuer avec wale la chose. Wale wanapasa kuendelesha na ile kazi. Lorsque Elie sera parti. Wakati Elia ataenda. Dans le quatrième homme. Malaki ule mtu wa ine. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu. Et ici, na hapa, c'est lui qui reçoit les hommages. Ni yeye ndio anapokea maheshima. Et la bannière de Judas, na bendera ya Yuda, c'était du côté orient. Ilikuwaka ngambo ya mashariki. C'était à l'est. Ilikuwaka ni kwa asubuhi. Et ici là, na hapa, il s'agit bel et bien de Jésus. Inaangalia kabisa Yesu.
qui reçoit les hommages de ses frères. Et ils ont dit qu'il vient du carnage. Oui, il était tué. Ndio, alimchinja. Mais ici, il était égorgé pas comme lion. Walakini, apa, abakumchinja kama simba. Mais il était égorgé comme agneau. Walakini, balimchinjaka kama mwana kondo. Parce qu'en lui, wani ndani yake, il a la nature de l'agneau. Eko na ile asili ya mwana kondo. Il a aussi la nature du lion. C'est-à-dire au même moment, moja, il peut se présenter comme lion. Kama simba, et aussi il change. Kubadrika, il se présente comme agneau. Kama mwana kondo. Tout dépend du ministère qu'il exerce à ce moment-là. Yote na lingana na ile uduma, eko natumia mwile wakati ile. Et ici vous allez voir que, na apa mtaone ya kwamba, parlant de ce lion qui se couche, mukusemea ule simba ule kona lala, on associe aussi sa lionne. Or, dans la seconde venue, quand il descend, comme lion, c'est le juge. Et vous savez que quand le juge vient en nous, il fait de nous aussi des juges. Nous jugerons. Nous sommes devenus des juges. C'est pourquoi au lieu que ce soit un lion seulement, il y a aussi la lionne. C'est le transfert du ministère du juge dans son épouse. L'épouse jugera la terre. Et nous avons déjà commencé à juger. Et vous voyez comment il associe les choses. Il dit, il attache sa vigne à la vigne, son âne. Asema anaunganisha, s'il vous plaît. L'âne est attaché à la vigne. Mwana kondo anaunganisha kumuzeituni. Le petit dinanes au cep. Mwana punda anaunganisha kusep. Ce sont des éléments Muzabibu, ni, bitu, qui accompagnent bile biku na sindikiza cette adoration. Parce qu'il y a la présence du vin. Et le vin, c'est le stimulant. Et si vous prenez ce verset 11, ça nous ramène à Zacharie 14. En parlant de Zacharie 14, frère Branham associe avec Zacharie 9. Qu'est-ce qu'il y a dans Zacharie 9? Fille de Sion, réjouissez-vous. Car ton roi vient à toi. Il monte sur un âne. Aisha panda pa mwana punda. Le petit dinanes. Aisha panda pa punda mwana punda. Or cette écriture ijapo iandiko a été accomplie d'abord à la première venue. Ilitimizwa ka kwanja kujiwa mara ya kwanza. Lorsque Jésus a refusé de marcher à pied, wakati ile Yesu alikataa kutembea kwa mikulu, il a demandé aux disciples aliomba kwa wanafunzi d'aller détacher l'âne et l'ânesse. Wende akafungule mwana punda na punda. Et ils étaient privés de liberté à un certain moment. Na wakati moja hivi walikosaka uhuru. Mais Jésus envoya les disciples. Yesu alituma wanafunzi pour apporter la délivrance. Ili walete ukombozi. Dans la délivrance c'est un homme. Manake ukombozi ni mtu. Dieu utilisera toujours un homme. Mungu kila mara atatumia mtu pour couper les liens qui sont en train de t'empêcher. Kwa ajili ya kukata vifungo vile biku na kuzuiza. Et si quelqu'un vous demande vous allez où avec? Kama mtu anakuuliza uko nenda naye wapi? Répondez lui. Umujibu, le maître en a besoin. Mwalimu eko naye lazima. Et ça c'était des bêtes naturelles. Na hao walikuwa wanyama wa kiasili. Et Jésus a fait son équitation. Lakini Yesu alifasilia. Il est entré à Jérusalem. Aliingia mu Yerusalema. Et ce n'était pas étonnant. Na haikuwa kushangaa. Que Jésus entre à Jérusalem. Yesu aingie mu Yerusalema. Il faisait des va-et-vient. Alikuwa anaingia anatoka anaingia anatoka. Et ça n'a jamais fait l'attraction. Ilikuwa haijavuta batu. Mais pourquoi? Lakini njoo ya nini sasa? Ce jour-là, il est chiku, son entrée kuingia kwake a fait l'attraction. Kurivuta watu, c'est parce que ni kwani, il y a un élément associé à son passage. Kitu moja kile anaunganisha mkuingia kwake. Qui peut dire amen? Sema amina. Et l'élément là c'est quoi? Na ile kipengele ile ni nini? Un animal impur. Ni nyama wa uchafu. Condamné dans la loi de Moïse. Aliyo hukumiwa mutorati ya Musa. L'âne était impur. Punda alikuwa nyama
uchafu, et voir le fils de l'homme sur l'âne, ça a créé l'attraction. Les gens disaient, s'il était prophète, il ne pouvait pas monter sur cet animal impur. Mais ils avaient oublié Exode 34:20 qui stipulait que les rachats de l'âne, c'est l'agneau. Et ils ont même oublié que là au Jourdain, Jean l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc quand ils ont vu l'agneau sur l'âne, ça devait régler leurs problèmes. Mais comme ils étaient aveugles, ça a créé beaucoup d'attractions. Et les mamans de Jérusalem, les sœurs en Christ, c'était des grands provocatrices. Elles ont enlevé des pagnes. Elles ont mis par terre. La foi amène les gens à provoquer. Imani inasukumaka watu wa chokoze. Et ça a encore beaucoup agité. Ilitingiza tena nguvu sana kabisa. Parce que les femmes, kwani wanamke, en mettant les pagnes, mukutia bitenge biako, elles savaient très bien balijuaka vizuri kabisa, que les pieds de Jésus ya kwamba mikulu ya Yesu ne va pas toucher les pagnes. Aita kanyanga le bikwembe. Mais les pagnes, walakini bikwembe, ont été placés balibitia pour Jésus, kwa ajili ya Yesu. Mais comment Jésus Yesu namna gani a-t-il marché sur les pagnes? C'était par le trichement de la patte il est de l'âne. Ya lorsque l'âne marche sur le pagne, c'est Jésus qui est glorifié. Yesu, oh, qui peut dire yes, amen? Alléluia! Alléluia! Et ça a créé beaucoup d'attractions. Qui dites-vous qu'est-ce? Et c'était terrible. Et il criait Hosanna à celui qui est venu. Hosanna! Hosanna! Frère! Doko! C'était le type. Il est le ni mufano de sa seconde. Ya ujio yake ya malaya piri. Vous voyez que dans la bénédiction de Judas, on attache l'âne, on attache l'ânesse. Oui, mwalama ya Yuda banachanga mupunda na mwana punda. Et lorsque Jésus descendait, na wakati Yesu alikuwa anachuka, l'âne était sur la montagne. Punda alikuwa pa mlima. William Branham. William Branham. William Branham, William Branham a aidé Jésus à être véhiculé. Alisaidia Yesu apande mugari. Mais il n'y a pas que l'âne. Lakini hakuna paka punda. Il y a aussi l'ânesse. Uko pia mwana punda. Alors soyez rachetés. Asa kombolewa. Pour que toi aussi, juna we pia, tu les transportes. Upate kumubeba. Dans ta famille. Mu familia yako. Dans ton quartier. Regardez frère. Shika nduku. C'est Jésus sur Branham en train de marcher. Ni Yesu pa Branham. Vous regardez, vous donnez la louange, vous donnez l'adoration. On n'adore pas Branham. Nous adorons celui que Branham transporte. Mais ça passe par Branham. Ça passe par Branham. C'est l'âne qui piétine les pagnes. Branham dit, lorsque vous priez, je manque le sommeil. Mikuna kosaka bushingishi. Quand vous priez, wakati mwe mkunaomba, moi, je manque le sommeil. Niko nakosa bushingishi. Parce que vous priez, kwani maombi yenu, ont de l'effet sur moi. Iko na matendo pa maisha yangu. Qui peut dire alléluia? Sema alléluia. Qui peut dire amen, 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 amen. Frère, Dukung. Branham ne sera jamais l'adorable. Branham atakuwa kamwe wa kuabudu. Il restera frère. Atabakia paka nduku. Mais walakini, aujourd'hui, leo, nous adorons Jésus. Tuko na butu Yesu. Dan. Ndania. William. William. Marion Branham. Branham. Laisse-moi achoper un incrédule. Acha ni kuarishe ula shipende kuamini. Ce matin on adore Dieu dans les ministères. Asubuhi ya leo tukunabudu Mungu ndani ya hii huduma. Oh? Yeah. Hey! Hey! Ah! Ah! Parole fetche rango mekaka ondimakate. Neno ilio difanya mtu ila uamini yake ile. Ah, omekaka. Unapimaka tu.
C'est au temps présent. Ni a pas ça, ça a pas. Dieu dans la chair. Mungu, momonto. Et nous venons à l'église pour écouter Dieu homme. Na tuku na kuya kukanisa njua kumushikia Mungu, monto. Sinon, si Dieu, il n'y a rien. Akuna kintu. Ah. Ah. Tu as écouté. Ah, unashikia. Yeo la nabianza. Unashikia. Unashikia. Ah. Il dit on adore Dieu. Yeo unasema oh tunabudu Mungu ndani yake. Ah, ndani yake. J'enlève le ministère de côté. Dans votre maison, si on n'adore pas Dieu dans toi, papa, tu es païen. Munyumba yako, wewe baba, kama babudu Mungu ndani yako, uko mupagano. Tu es païen. Uko mupagano. Parce que la femme, kwani muke, les enfants, na batoto, doivent voir Dieu dans le papa. Anapasha kumona Mungu ndani ya baba. Hey. On peut communiquer avec les Chinois. Ina yo, awielewe paka. Mais pourquoi vous avez le Saint-Esprit? Sasa njua nini uko na Roho Mtakatifu? C'est pourquoi on adore Dieu en vous. Ni njua babudu Mungu ndani yako. Quelqu'un dit amen. Sema amina. Un amen est très bien. Amina ya butamu. Un amen est très fort. Amina ya nguvu. Laisse-moi encore reculer un peu pour achoper bien. Acha tena nirudie kumkongo njoo nikukwarishe sasa mzuri. J'achope pas l'épouse. Ah, bibi harusi wake mimi simkuarishi. J'achope l'incrédule. Mie niko na kuarisha ula shipende kuamini ule. Dans ta maison? Munyumba yako? Ah, laisse-moi le dire bien. Ah, acha tu niseme mzuri. Si toi aussi tu as ah, laisse-moi remonter. Ah, acha tu ni nyanzururie lwayulu kabisa. Nous tous les pasteurs là. Shebota baba chungaji hapa. Tu saches prêcher, tu puisses tomber quand tu prêches. Tu sais parler. Tu as une grande assemblée. Une petite assemblée. Tu as aussi le Saint-Esprit. Malgré ça, dans cet âge, quand on adore Dieu, c'est seulement dans Branham. Le seul qui représente l'âge. Mumoya ula na wakilisha kizazi kijima. Personne ne prendra cette place. Hakuna mtu hata moya ula tachukuaka ile fasi ile. Maintenant je viens. Atamina kuya hapa. Vous tous là, vous pouvez avoir le Saint-Esprit. Mwebote hivi mko hapa. Mnaweza kuwa na Roho Mtakatifu yenu. Dans ta maison là-bas. Na kunyumba yako kule. Tu prie le Dieu qui est en toi. Huku naomba ule Mungu yuko ndani yako. Mais kwa lakini quand tu es kama unafika umu mwikanisa hii le Dieu que tu adores ule Mungu wewe uko na abudu il est dans le ministère eko ndani ya hii huduma kipa ni amen sema amina mais quand vous rentrez chez vous wakati unarudia sasa kwako avant adorer Dieu qui est en toi wendo kabudu ule Mungu eko ndani yako ukipima tu kufika hapa. Oh, kipendiga. Eh, sema amina. Kipendiga haleluya. Sema haleluya. Oui, monsieur. Dio jamani. Alors devenez Dieu aussi. Basi na wewe kuwa Mungu. Sœur, soyez Dieu aussi. Dada na wewe kuwa Mungu. Si papa est païen, les gens, les enfants voient Dieu dans maman. Kama baba ni mupagano, batoto bamone Mungu ndani ya mama. Dieu n'est pas seulement en pantalon, il est aussi en pagne. Mungu ashina paka musuruali, eko pia mukikwembe. Est-ce que Dieu est là? Eti Mungu eko amo. Le Dieu fait comme ça en vous. Mungu mufanye hivi nimione. Ah, Dieu en pagne. Ah, Mungu mukikwembe. Dieu en robe. Mungu munkancho. Dieu en jupe. Mungu mujipe. La volonté de Dieu dans tout ça. Mapenzi ya Mungu mubiote bile. C'est que nous puissions découvrir qui nous sommes. Ni kusema tufikie mukuvumbula chetu koba nani. Et quand il faut découvrir qui vous êtes, ne regardez pas vos fautes. Na wakati unafikia kuvumbula kile wiko, ushangalia kumankosa yako. Parce que c'est la technique du diable. Tu ile ni bujanja bwa shetani. Il te montre tes fautes. Nakuonesha mankosa yako. Adili ya futuka. Ah, umesha sema humbuka.
Ça c'est moi et mon père. On va arranger. Ça ne te regarde pas. Je suis Dieu. Je suis parfait. Il peut dire amen. Il peut dire alléluia. Alléluia. Tu sais frère, je vais te dire un secret. Même quand tu as des fautes. Et que tu reconnais que je vais arranger. Quel que soit le problème qui est devant toi. Défier Satan. Je te dis vrai. Si tu es sincère que ça, je vais arranger. Mais ici, je suis devant un problème. Comme Josué devant la situation. A prononcé la parole. Dites quelque chose. Ça va arriver. Ça, c'est ce niveau-là. Que Satan ne veut pas que vous arriviez. L'enfant ce jour-là a dit au domestique, je ne ferai plus ton travail. Tu as oublié? Unasabwa. Je connais. Ah, mina jua. Hein? Hein? Les trucs de papa que tu as cassé. On a eu à qui combe à Babel on le funja il. Que je puisse lui dire? On a peine de kuchonge. Va lui dire. Wendo kachonge. Parce que l'enfant lui-même a pris le courage. Arisha chukua ile odari. Dis papa. Ya kusema baba. Restons d'abord. Ah, assoyons-nous d'abord. Tuikale kwanja, tuikale mbele mina we baba. Tu vois ce jour-là. Unajua ile siku ile? Tu m'as dit je maigris trop. Unielezea sema mina choka na konda kabisa. Alors je craignais de parler. Ah, nilikuwa naogopa kusema. Maintenant le problème c'est ton domestique. Mambo ile kuna likondesha ni nini? Ni huyu boy wako huyu. Mon domestique? Boy wangu njoo una kondesha. Il a fait quoi? Alors unajua nini? Il dit tu vois ton truc là? Unajua ile que tu aimes beaucoup boire de l'eau. Kombe yako ile unapenda kunywa maji ni. Un jour par mégarde je l'ai cassé. Kwa nkosa tupage hivi nestuka na nguke na vunjika. Et dès ce jour là. Na kuanzia ile siku. Tous les travaux durs de cette maison c'est moi. Ya hii nyumba. Ni paka mimi ndio niko naitumika. Papa dit quoi? Unasema nini? Toutes ces choses. I bintu byote bya munyumba. Si je les achète. Kama niko na binunua. C'est pour qui? Ni kwa ajili ya nani? Si je travaille dur. Kama niko natumika nguvu sana. C'est pour qui? Ni kwa ajili ya nani? Mais tout appartient. Si byote ni byako. Ani. Domestique vya. We boy kuya kwanja hapa. C'est quoi vous parlez là-bas? Nini mnazungumza kule? Avec mon fils. Na mwana wangu. Ah papa. Hapana baba. Cet enfant est mauvais. Huyu mtoto yuko mbaya. Il a cassé ton truc là. Alivunja ile kikombe yako ile. Tais-toi. Kakimia. Ton travail est fini. Wewe kazi yako inaishia hapa. Lui c'est mon fils. Yeye ni mwana wangu. Toi tu es le serviteur. Wewe uko boy. Le sang qui est en lui. Damu ile iko ndani yake. C'est mon sang. Ni damu yangu. Alléluia! Alléluia! Recevez la véritable expiation. Pokeyani, maondoleo ya dhambi ya kweli. La parole est faite. Neno lio difanya mtu. Que Satan ne montre pas tes fautes. Shetani asisubutu kukonesha mankosa yako. Dis c'est la faute. Sema ni nkosa kweli. Avec mon papa. Ninkosa nilikosa ni baba yangu. On va régler. Tutamalizana na baba yangu. Mais toi. Lakini wewe. Aumbuka. Ale toka hapa. Sœur et frère. Ndoku dada. Dieu vous aime. Mungu anamipenda. Il est mort pour toi à la croix. Alikufa kwa ajili yako kumsalaba. Il t'a envoyé William Branham. Alikutumia William Branham. Il t'a envoyé El Rash. Alikutumia El Rash. Il t'aime. Anaku penda. Il t'a donné sa parole. Alikupatia neno lake. Malgré le haut. Aizuru bizuri. Aizuru bibaya. Il faut affronter Satan. Il apasha kumupinga shetani. J'aimerais attendre quelqu'un dire amen. Sema amina. Un amen est très fort. Amen en nguvu kabisa. Oui monsieur. Ndio jamani. Alors. Basi. Job. Il
y a les vins. Kuna divai. Et pendant que je lisais les vins, là, ça me rappelle encore toujours. Na wakati niko nasoma divai ilinikumbusha tena. Les fameux problèmes de la Sainte Cène. Imambo ya kukosa kula meza ya Bwana. Vous avez vraiment soif. Mungu na kio kabisa kunywa divai mimi naona. Parce que beaucoup de gens me demandent. Ba mingi bona niuliza. Pasteur, est-ce vrai que tu crois vraiment à la Sainte Cène? Mchungaji, bia kweli tu wewe mchungaji unaamini mambo ya meza ya Bwana? Non, vous allez boire. Hapana, kunywa mtakunywa. Que ça ne soit pas le désir de la boisson. Ishikwe ni amu ya mpombe kuna kusukuma utafute kunywa kulia meza ya Bwana. Le problème c'est que à part ce que j'avais dit autrefois. Mambo ni kusema kutosha ko bile nilisemaka mwile siku iliyopita que je devais voir l'église un peu, ce n'est pas que des péchés, des problèmes vont finir, mais en grande partie. Zambi itaisha hapa kutakaka Zambi ataka moyo hapana. Mina penda kunji munene kabisa. On voit quand même cette harmonie, cette communion. Onele mapatano ya batu, shirika kati ya watu. Et par la grâce de Dieu, on va l'obtenir. Na kwa neema ya Mungu tutakula meza ya Bwana. Le péché ne finira pas, des problèmes ne finiront pas. Zambi itaisha kama mambo na hiyo haitaisha. Mais écoutez la deuxième raison. Walakini sikieni sababu ya pili. En faisant mes recherches, je ne crois pas d'acheter les vins dans des magasins. Mukufanya upekuzi wangu, shamini ya kwamba divai ile tunapasha kunywa, tunapasha kuinunua muduga. Je n'ai pas encore lu. Celui qui lit, il peut m'aider avec la citation. Shiasomaka ile fwash. Ulasha kusoma, anza kunikuia kona ile andiko. Que frère Branham a acheté les vins dans les magasins. Alinunua divai hapa muduga. Moi, je n'ai pas lu. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis, je n'ai pas encore lu. Mais j'ai plutôt lu, frère Branham, que les whites préparer les vins de la Sainte Cène. Asema ba white njoba alikuwa na tayarisha ile divai ya meza ya Bwana. Branham dit et ce pain et ce vin vous devez connaître les mains qui l'ont touché. Branham anasema na ile mukate na divai mbela kuikunya mnapasha kujua ni mikono kani ilibamba bile bintu. Moi, mon problème, c'est la parole. Mie mambo yangu kuna niua ni neno. Si tu trouves une citation à côté, là, tu m'amènes. Kama unapata ndiko ule kumpembeni, unaniletea. Nous allons acheter le vin au magasin. Tutanunua divai ku hyper saro, tutaka kunywa hiyo hapo. Et j'ai vu. Na niliona. Des assemblées du mais ça commence par le Branham Tabernacle. Maskani ya ujumbe kuanzia na kwa maskani Branham. Il fabrique le vin. Beko na ritungia divai. A Shekinah Kinshasa on fabrique le vin. Shekinah Kinshasa banaritungia ka divai. Et il y a d'autres petites églises aussi à qui fabriquent le vin. Divai banaritungi ku Kinshasa banaritungia ka divai. J'avais déjà demandé à un pasteur. Nisha kuuliza kwa mchungaji moya. Je lui ai dit c'est un ami, je dis si vous pouvez m'aider à trouver une bonne quantité. Unaweza kunisaidia kwa mimi napata ko kunji mingi. De ce que eux ils peuvent fabriquer. Ya ile bo banaweza kufanya. Parce que nous aussi il faut que nous puissions apprendre. Tunasea hapa tunapasha kujua. On est nombreux. Mingi. Si on met la Sainte Cène ici, tunaweka meza ya Bwana hapa, tellement ça fait beaucoup de temps, les gens ont soif. Zaidi vile parisha kukawa bantu beko nayo amu. Ça risque de terminer. Inaweza kuishia pa kuibichi vya kumbele. Alors il faut nous assurer. Tunapasha tukue na hakikisho. Avec la quantité. Na bwingi ile wanaweza kututumia. Mais du vin fabriqué par des mains pures. Divai iliyotungwa na mikono ya safi. C'est ça. Jovile. Mais dans l'entretemps. Lakini wakati moya moya. Frère Branham dit la vraie Sainte Cène c'est ce que vous mangez. Ndugu Branham asema Sainte Cène ya bya kweli. Ni Mungu nakuri hapa. Jusqu'au jour où
nous aurons les vins naturels, mais mangeons d'abord la parole. Baka na siku ile tutapata. Ça c'est la véritable. Kwanza tukule neno, neno ndio meza bwana bya kweli. Branham dit ne vous ne mettez pas trop d'accent sur les trucs naturels. Branham asema mushikazie kabisa pa ile vitu ya kiasili ile. Est-ce qu'on m'a compris? Eti mnanielewa? Cash. Cash, cash, cash. Eliezer, cash. Est-ce qu'on m'a compris? Mnanielewa? Ma prédicateur bazar. Baubiri be kwapi? Mwe baubiri. Mnanielewa? Hein? Baubiri. Quelqu'un va sortir là. Vous voyez, il a dit. Kutoka pa, unaona alisema? Il ne croit pas à ça. Asema shamini ile. Je crois. Mimi naamini. Mais pour aller acheter un vin que les païens ont fabriqué. Voilà qui. Kwenda kununua divai ile bapagano njo baritunga yo. Je n'ai pas encore la situation. Kwetu ikunyo hapa, shiapata ile andiko. Dans des années antérieures, j'achetais aussi. Mwile mamiaka ya zamani, na mimi nilikuwa nanunua. Et je célébrais. Na nilikuwa natoa ile meza ya Bwana. Mais nous allons de gloire. Voilà qui tunaenda kutukufu kwenda kutukufu. Révélation en révélation. Toa kufunuo kwenda kufunuo ingine. Ça fait longtemps que je n'ai jamais pris cet alcool là. Parisha kawia si akunywa ka ile lutuku ile. Amen. Amina. On avance. Tunaendelea. Ah merci. Ah d'accord. Job. Yobo. Fais-tu paraître les signes du zodiaque en leur temps? Unaweza kuonekanisha maalama ya zodiaki mwakati yayo? Job. Yobo. Conduis-tu la grande ours et ses petits? Eti kunaongoza ule ndubu mkubwa na watoto yake? C'est profond. Ni upana? Alors la grande ours. Asa ule mama ndubu. On dit c'est la troisième constellation du ciel. Basema ni muungano ya manyota ya tatu ya mbinguni. Par son étendue, kupitia bunene bwake, elle contient la grande casserole. Inakuwa na ile kiungu mnene kabisa. Le plus connu de l'hémisphère nord. Iliyojulikana kati ya hemisphère ya kaskazini. Elle est très facilement reconnaissable par la forme de casserole. Kwepesi wanaitambua kupitia hali ya kiungu. Que compose ces sept plus brillantes étoiles. Enye na tungwa ile manyota yake saba ile kunangaza sana zaidi. Dans la grande ours. Manake ule ndubu kubwa. Selon l'astronomie. Fatana na astronomie. C'est une figure. Ni sura astrale ya manyota. En forme de casserole. Iliyo tungwa muali ya kiungu. Faite avec sept étoiles. Iliyo tungiwa na manyota saba. Tandis que la petite ours. Ile wakati ule dubu mdoko. Le minor. Et minor. C'est une constellation de l'hémisphère céleste nord. Ni muungano wa manyota wa ngambo wa kaskazini. Lui, il est appelé le petit chariot. Ye anaitwa kagari kadoko. La petite ours a traditionnellement été d'une grande importance pour la navigation. Mwana dubu kwa desturi anasaidia njuu ya kuogelea maji. Particulièrement pour les marins. Wa upeke kwa jili ya walimu wa maji. Parce que Polaris marque le pôle nord céleste. Kwani kuna onesha pôle nord céleste. Donc, ça aide aux marins qui naviguent la nuit. Ikuna saidia wenye wanaongoza merikebu usiku. À ne pas se perdre. Wasipote. Donc c'est lié à la grande ours. Inaungana na ule dubu mkubwa. La grande ours c'est cette étoile en casserole. Dubu mkubwa ni manyota saba muali ya chungu. La petite dirige les marins. Mwenyeko naongozaka wenye wanaogelea pamaji. Pour ne pas se garer de la grande ours. Ili washipoteshe ile dubu mkubwa. Tout ça programmé dans les zodiacs. Yote ile ilishatayarishiwa katika sayari zodiaki. Le Pléiades, na Pléiades, on dit, wanasema, c'est aussi une constellation pia ni de sept étoiles. On les appelle les sept sœurs.
Wana waita wa dada saba. Ou les sept filles. Wala wa binti saba. Vous voyez? Mungu naona. Pléiade, sept étoiles. Pléiade ni manyota saba. Les sept filles ou les sept sœurs. Wa binti wala wa dada saba. La grande ours en forme de casserole, sept étoiles. Muali ya chungu na upie na kuwa na manyota saba. Et la petite ours aide les marins à ne pas s'égarer de la grande ours. Wasafiri wa umerikebu wasiende mbali na ile dubu kubwa. Et dans la plus grande bataille jamais livrée, na muvita kubwa haijawahi kufika. 42 frère Branham dit. 42 ndugu Branham anasema. J'ai dit, nikasema. Mais tu sais frère Wood, ndugu Wood unajua. Selon la science, kulingana na science, dans cette ours, muile dubu ile, la petite ours, muile ndubu mdogo, la grande ours, muile dubu mkubwa, ces étoiles ne semblent pas éloignées. Ile manyota inaonekana sasa tu haina mbali mbali. Et à 43, il dit, j'ai essayé de mon mieux de voir ces zodiacs. Je n'arrive pas à les voir. 43, on a dit, nilijaribu kwa nguvu yangu yote nione ma zodiaki, kwa lakini siweze paka kuyona. À sa 48, la même prédication. Il dit, voilà la position que prennent les astres. Asa mwangalie ni musimamo yenye nachukua masayari. Le système solaire n'a pas changé. Ile matengenezo ya jua bado haijabadilika. Les zodiacs. Zodiaki. L'étoile du matin se lève. Ile nyota ya asubuhi na lamkaka. À son poste. Mufasi yake ya kazi. Tous les matins. Kila asubuhi. Exactement. Kabisa kabisa. Comme elle l'a fait quand la terre a été créée. Paka vile alifanyaka tu wakati waliumbaka budongo. L'étoile du soir prend sa place. Ile nyota jioni nayo inachukua fasi yake. Tous les astres. Masayari yote. La petite ours. Ule dubu mdogo. Juste à la période de la saison. Mwakati tu ya saison ya majira est exactement là où elle doit être. Iko kabisa kabisa fasi inapasha kupatikana. L'étoile polaire ile nyota polari reste là constamment inabakia pale wakati yote sans jamais bouger bila kutenka. Il dit alléluia. Anasema alléluia. Tout gravite autour de l'étoile polaire. Yote kuna zunguluka kando kando ile nyota polari. Toutes les autres étoiles ile manyota yote ingine parce que elle est centrée par rapport à la terre. Kwani inakuya pakatikati kulingana na budongo. Ça c'est Christ. Huyu ni Christo. Il dit amen. Anasema amina. Cette grande étoile polaire appelée Orion. Ile nyota polari kubwa inoitwa Orion. C'est Christ. Jo Christo. Et tout le reste na ima nyota yote ingine kuna zunguluka tu kando kando. Tourne tout autour kando de lui. Kando yake. Gardant chacun sa place. Kila moja eko na linda fasi yake. La grande ours joue un rôle. Kubwa eko na fanya kazi fulani. La petite ours joue un rôle. Dubu mdogo nayo anafanya kazi fulani. Le Pléiade fait un rôle. Le Pléiade pia nayo anafanya kazi fulani. Na dans la prédication les sept tâches de l'église. Sasa mumahubiri bizazi saba ya kanisa. Prêché en 54. Ile alihubiri mwaka 54. Paragraphe 216. Fungu yake ya 216. Il avait dans sa main sept étoiles. Mkono yake alikuwaka na manyota saba. Et vous verrez dans quelques minutes. J'aimerais aborder cela. Que la Bible elle-même Biblia yo inyewe dise ce que c'était. Wanasema ilikuwaka ni nini. C'était sept ministres. Ilikuwaka ni wanahuduma wa saba. Un ministre pour chacun de ces sept âges de l'église. Kila mwanahuduma mmoja kwa ajili ya kila mmoja bile bizazi saba vya kanisa. Il se présente. Alikuwa anajijulisha. Le tenant dans sa main droite. Anajijulisha mwenye kubashika mikono yake ya kulia. Amen. Amina. Le voici. Boaba. Il y avait sept anges. Kulikuwaka ba malaika ba saba. Sept messagers. Bajumbe ba saba. Un pour chaque église. Kila mjumbe kwa ajili ya kila kanisa. Branham dit, saisissez-vous cela. Branham asema Mungu naelewa hii mambo. Donc les sept étoiles. Manake ile manyota saba. Ce sont les sept ministres. Ni wanahuduma wa saba. Que Dieu a représenté dans les zodiacs. Wale Mungu alionesha katika zodiaki. Et il dit, na nasema, à Job, wa Yobo, peti noue. Et tu unaweza kunganisha les liens de Pléiades. Biungo bia Pléiades. Donc prendre ces sept filles. Kuchukua wale wa binti wa saba. Et les unir ensemble pour former une seule épouse. Na kuwaunganisha kwa ajili ya kumtunga bibi harusi huyu moya. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ils sont sept filles. Beko ba binti ba saba. Les Pléiades. Ma Pléiade. Est-ce que toi tu peux nouer leurs liens? Et tu unaweza kuunga viungo yao? Oui.
fait. Parce que l'épouse est formée de sept âges de l'église. Et les sept étoiles de la grande ours, c'est Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham. Représenté là-bas. Maintenant, la petite ours va jouer le rôle pour que le marin ne soit pas égaré. Qui peut dire amen? Amen. Pour que le marin soit attentif à la grande ours. Et vous allez remarquer quelque chose de très bien là. Exposé de cet âge de l'église. Page 231. Je prends juste au milieu là. Or Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais également des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'église à Dieu. Ça, c'est la petite ours qui est en de les navigants à les garder. Vous voyez comment la citation termine. Il est certain que Dieu lui a donné l'occasion et l'aide qu'il faut pour se repentir. Il y a William Branham. Manake kuko William Branham qui est là dans la grande ours. Uleko mule ndani ya dubu kubwa. Mais il n'est pas seul. Kwa lakini ashina moyo mwenyewe. Dieu a pourvu un auxiliaire aussi. Mungu alitayarisha pia msaidizi. Dans chaque église mais kila kanisa. Un Noé. Mpakaliwa. Qui est lui aussi une étoile. Ule naye pia ni nyota. Le rôle c'est quoi? Kazi yake ni nini? C'est de garder les gens. Ni kuchunga bantu. Attaché. Baungane paka au messager na mujumbe. Qui peut dire amen? Sema aminan. C'est la vérité. Ni ukweli kabisa. Donc la grande ours c'est Paul. Dubu mkubwa ni ba Paulo. Ba Irene. Jusqu'à Branham. Paka kufika kwa Branham. Mais la petite ours na dubu mdogo il joue le rôle. Eko nafanya ile kazi. Le merveilleux auxiliaire. Ya wasaidizi wa matajabu. Pour garder l'église. Kwa ajili ya kulinda kanisa. Qui peut dire amen? Sema Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Parce qu'il ne manque pas ces merveilleux auxiliaires. Wani akose wale wasaidizi wa mastadiabu. Dieu lui-même, Mungu ye mwenyewe, représenté en étoile polaire, mwenye kuwakilishwa kwa ile nyota polari, l'Orion, Orioni, les messagers. Il représentait dans la grande ours et dans les Pléiades. Bajumbe balio wakilishwa mudubu kubwa na mupléadi. Et les ministres na wanauduma auxiliaires wasaidizi représentés en petite ours. Balio wakilishwa mudubu mdogo. Et vous-même aussi les croyants, vous êtes les étoiles. Ba minifu mwenjo sasa manyota. Vous êtes aussi les étoiles. Donc c'est une famille des étoiles. Ni familia ya manyota. Vous êtes là dans les zodiacs. Muko mule ndani ya ma zodiac. Ah, la plus grande bataille jamais livrée 10 ans. Vita kubwa haijawahi kufika inasema ile mambo. Alors, basi. Peux-tu détacher le cordage de l'Orion? Et tu naweza fungula vifungo ya Orioni? Dans la prédication Shalom. Katika mahubiri Shalom. Branham dit quelque chose ici. Branham anasema kitu kimoja hapa. Paragraphe 157. Kifungo yake ya 157. 12 janvier 64. Ya mutare ya 12 mwezi wa kwanza mwaka wa 64. Il était complètement manifesté sous forme de type. Alionekana kabisa muali ya mifano. Mais Dieu savait exactement quand il viendrait. Kwa lakini Mungu alijua kabisa kabisa ni wakati gani atakuya. Il savait exactement quand il viendrait. Alijua kabisa wakati gani atakuja. Verset 58, exactement comme il nous a montré.
Kabisa kabisa paka vile alituonesha. Dans les sept âges de l'église. Mobile bizazi saba bya kanisa. Ce qui arriverait. Ile inaweza fika. Exactement. Kabisa kabisa. Ce qui nous a montré qui arriverait. Ile yeye alituonesha nani mwenye atafika. Lorsqu'il a placé cette lumière. Wakati alitia manuru saba. Non, la lumière. Cette lumière là dans la révélation, il est nuru katika ufunuo, pour la montrer au monde. Kwa ajili ya kuionesha kulimwengu. Quand il a envoyé sept anges, wakati alituma wale malaika basaba, pour révéler les sept messagers, kwa ajili ya kufunua wale wajumbe wa saba, qui avaient été là, wenye walikuwaka pale, qu'il a montré ce qui était resté en suspens, wenye walionesha bile bilibakia pembeni. Chaque jour un ange venait, kila siku kwa malaika moja kwa nakuya. Et révéler ce que Luther a laissé en suspense. Ce que Wesley a laissé. Ce que les pentecôtistes ont laissé. Tout cela est représenté là-dedans. Et c'était le type. Na ilikuwa ni mfano et l'ombre même na kimvuri nyewe di grand shalom ya ile ule salama mkubwa exactement kabisa kabisa mettant ça dans les cieux mukutia ile mbinguni et l'œil mécanique na licho kimitambo a pris cela en photo ilichukua ile katika picha vous voyez munaona merci seigneur asante bwana donc ce qui était manifesté dans des ombres sont accomplis manake bile bilikuwa naonekana mukimvuri binatimizika. Il y a eu la présence de sept anges en Arizona, uwepo wa malaika saba ku Arizona qui se sont associés avec l'ange qui est descendu baliungana na ule malaika ule alichuka pour les sept sceaux kwa ajili ya miuri saba. Branham dit ça a été photographié. Branham balichukua picha. Et dans cette photo qu'est-ce que vous voyez? Na mwile picha mungu naona monini? Il y a sept anges muko ba malaika ba saba et il y a le Seigneur kisha muko na Bwana. Les Pléiades, il est ma Pléiade, et l'Orion, na Orioni, se sont mariés. Barioana, et bari c'est dans la photo. Na biko mwile picha ile. Ça a été démontré en nombre, en type, mais c'est la réalité. Barioneshaka mukimvuri mumufano kwa lakini sasa ni ukweli. Et nous nous voyons ce que Job ne pouvait pas répondre. Na leo shetu naona bintu bile Yobo alikuwa na bikosea jibu. Nous commençons à descendre. Tunaanza kwenda na kumaliza. Je prends encore la brèche parce que mina chukua tena. Il y a le problème de Shiloh ici. Ku mambo ya Shiloh hapa. Comme on avait parlé, vile tulisemaka la brèche 190 pengo kifungu yake ya 109. Pourquoi c'est de Juda? Njua nini ni Juda? Njua nini Juda? Le Juda? Oh Juda. Japo Juda, un législateur ni mwenye anaandika sheria ne se retirera pas devant ou plutôt d'entre tes genoux mwenye anaandika sheria haitatoka kati ya mikono yako jusqu'à ce que Shiloh vienne paka na pale Shiloh atakuja mais walakini il sortira de Juda atatoka kwa Yuda. Shiloh, Shiloh c'est le lion mature ni simba wa kukomea. Vous voyez dans Genèse 49 il est ses yeux sont rouges. Mumwanzo 49 wanasema mecho yake iko mwekunda. Ce n'est plus un petit lion qui pleurait devant la tombe de Lazare. Aina tena kale kasimba kaloko kalikuwa kionaria mbele ya kaburi ya Lazaro. Mais quand il descend, lakini wakati anachuka, à droite il y a des lumières. Kulia kuko manuru. Ça émane de ses yeux rouges. Inatokea mumecho yake mwekunda. C'est les yeux du juge. Ni mecho ya mwamzi. Ici il vient juger. Hapa nakuwa kwa mua. Il ne vient pas pleurer. Ashikuye kuria hapa. Ça vient de Juda. Inatokea kwa Yuda. Ça vient d'Israël, de chez les Juifs. Kwa Israeli, kwa Yahudi. Et il dit, le lion symbole de la tribu de Juda a prévalu. Simba ule alama ya kabila Yuda aliwina. 192. Quand il s'est retourné pour voir où se trouvait ce lion, il a vu un agneau. Wakati aligeuka kwa ajili ya kuona fasi palikuwa ule simba, aliona hapo mwana kondoo. C'est étrange de chercher un lion et de voir un agneau. Ni akushangaa kabisa wewe unatafuta uone simba, unaona mwana kondoo. L'ancien l'a appelé un lion. Mzee alimuita simba. 193. Un agneau s'est avancé. Mwana kondoo alikaribia pale. L'ancien a dit un lion a vaincu. Mzee alisema simba aliwina. Les lions de la tribu de Juda. Ule simba wa kabila ya Yuda. Il continue, descend 10.
Il s'avance pour prendre maintenant possession de ses droits. Pour prendre possession de ses droits. Il avait accompli l'œuvre de rédemption du parent. Mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. Le voilà. En effet, il avait été un agneau. Un intercesseur. Un agneau sanglant. Mais maintenant, il s'avance en tant que lion. Oh là là, les jours de son intercession sont terminés. Siku ya kombeana toba inamalizika 211. Que celui qui est souillé se souille encore. Ule alisha kudichafula, adichafule tena. Que le juste pratique encore la justice. Uwaki aishi tena uwaki. Que celui qui est saint ule kwa mtakatifu se sanctifie encore. Ajitakase tena. La chose est fermée. Mambo ile kitu inafungiwa kabisa. C'est ce qui se passe quand Shiloh vient. Ndio ile kunapitikana wakati Shiloh anakuja. Quand Shiloh arrive, wakati Shiloh anakuja, l'agneau a quitté le trône d'intercession. Mana yake mwana kondo alishatoka pa kiti kya kuombeana toba. L'intercession est terminée. Na kuombeana toba kwenye kuna malizika. En ce moment-là, que celui qui est saint, mwile wakati ule kwa mtakatifu, continue à se sanctifier. Endeleshe na kujitakasa. Que celui qui est souillé, ule kwa mwenye kuchafuka, continue à endeleshe à se souiller. Na kujichafula. Qui peut dire amen? Sema amina. Mais quand Shiloh est venu, wakati Shiloh alikuya, c'est le jugement. Ni ukumu. Tu vas continuer à t'habiller mal et t'appeler sœur en Christ. Unapenda kuendelea na kuvala mubaya. Na kuendelesha kuitwa dada katika Kristo, endelea na kuvala mubaya. Tu vas continuer avec les hauts talons et unapenda, les habits serrants, les corps. Na matalo murefu na mavazi ya kukubana mwili. Personne ne va t'empêcher. Hakuna ule atakukataza. Continue. Endelesha. Amen. Amina. Parce que c'est le jugement qui est venu. Njoo ni hukumu njoo inakuya. L'intercession est terminée. Ombeana huruma kulishaisha. Celui qui veut marcher à la manière correcte, ule anapenda kutembea kwa namna ya sawa, il marche à la manière correcte. Atembee kwa namna ya sawa. La pluie qui tombe ne change pas la nature de la semence. Ile mvule iko na nyesha haibadilishe asili ya mbeko. Le soleil de la moisson, ile jua ya mavuno, amène à maturité chaque semence. Inaivisha mambeko yote ya kila aina. Amen. Amina. Je vais attendre un amen très fort. Sema amina nguvu kabisa. Prêchez celui qui est à côté de toi et de moi. Ma voix commence à partir. Umubiri leo pembeni yako, njoo sauti yangu haina tena ya munene. Dis-lui, mweleze, chacun doit manifester sa nature. Kila mmoja ataonekanisha asili yake. Parce que le soleil est venu. Jua hiyo inafanya nini? Inakuya. Le lion, Simba, la planète, la sayari, c'est le soleil. Ni jua. Et la saison c'est l'été. Na majira ni mwanzo ya joto. La maturité, ni kuivia. Chaque semence doit montrer ce qu'elle est. Kila mbeko inapasha kuonesha iko mbeko kani. Ça, ce n'est pas le temps de limitation du christianisme. Haina tena wakati ya kufuatilisha bu Kristo. De forcer quelqu'un à être chrétien. La fête de cette sœur, c'est comme la fête de... comment on appelle ça? De calvitie, de chauve. Dit celui qui veut manger, il faut qu'il soit chauve. Ben, c'est ma, oula, t'as quoi, ou karamu? Paka, kame, on arrive à la samie, n'y a ta couille. Et quelqu'un, et surtout c'est une chauve pure. Na zaidi ni riba la ya safi kabisa. Parce que la Bible dit la chauve de derrière là. S'il vous plaît. La chauve de derrière. Ile riba la ya kukabongo shirile. C'est l'impureté. Ni usafi, ni uchafu. Mais la chauve de devant. Riba la ya pambele hapa. C'est la pureté. Ni usafi kabisa.
Amen. Amina. Et vous voyez que quand Dieu vient se manifester dans l'aigle du dernier jour, c'est il est pur. Quelqu'un peut fabriquer la chauve. Calvitie. J'ai un coiffeur. Mais le malheur en est que la fête des hommes chauves dure. Ole ni kusema karamu ya watu wa mabala ikunafanya mashiku ya mingi. Et c'est ce qui fait que à l'intérieur là, on trouve les gens les chauves. Mais c'était pour les chauves. Donc il avait fabriqué. On ne fabrique pas la nature. Apocalypse 10. Ça vient révéler la nature de la semence. Que celui qui est saint se sanctifie. Aditakase. Que celui qui est souillé, ule wa kuchafuka, se souille encore. Adichafule tena. Shilo est venu. Shilo alikuya. Et c'est ça la conséquence. Na ile njo kinyume. Qui a dit amen? Sema amina. Un amen est très fort. Amina nguvu kabisa. Et souvenez-vous, cela s'est produit au septième âge de l'Église. Quand les mystères de Dieu seront dévoilés. Maintenant, soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Eh bien, il avait été occupé à son œuvre de médiation. Il avait été occupé. Intercédant pour les croyants pendant 2000 ans. Il avait été là en tant qu'agneau. Maintenant, le voilà qui s'avance. Il vient de l'éternité pour prendre les livres contenant les titres des propriétés. Kwa ajili ya kuchukua kitabu kile kiko na mabuku ya mwenye na mali. Ambrise le sceau. Kuvunja kio miuri hayo. Et révéler les mystères. Na kufunua masiri iliyokuwa ndani. Il dit quand ça? Asema ile iko wakati gani? Au temps de la fin. Asema iko ni wakati wa mwisho. Donc l'ouverture des sceaux c'est la venue de Shiloh. Maana yake kufunguka kwa miuri njo ujio ya Shiloh. Ça se fait ici à la fin. Unafanishika ni pao kuii wakati ya mwisho. Au septième âge de l'Église. Kizazi kia saba. Alors, quand Shiloh vient, Shiloh nakuya, nous cessons d'adorer Dieu dans Juda. Tunaacha kumwabudu Mungu ndani ya Yuda. Parce qu'on dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Tu vanasema paka na pale Shiloh atakuya. Et que le peuple lui obéisse. Na taifa inamuti. Shiloh, Shiloh, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais, walakini, dans sa seconde venue, mujio yake ya mala ya piri. Quand il vient la seconde wakati fois, anakuya mala ya piri, l'adoration se déplace. Kwabutu kuna ama. Oh, je pensais que tu allais dire amen. L'adoration se déplace automatiquement. Kwabutu kuna ama mara moja. Ça va où? Kwa butu kunaenda sasa wapi? Ça va chez l'homme à qui on a remis le sceptre. Kuna mia ndani ya mtu ule barikabula gongo. Le bâton royal. Ile gongo ya kifalme. L'épée du roi. Yule mpanga wa yule mfalme. A quitté le juif. Et laisse-moi te rappeler qu'il s'agit de la même épée qu'on a placée dans le jardin d'Eden. L'épée flamboyant. 4 anges
Ba malaika ba ine. Une seule épée. Mupanga moya. Et cette épée allait et retournait. Na ile mupanga kwa nende naruria inende naruria. Et ça n'avait pitié de personne. Na aikwena shikiria muntu ata moya buluma. Et Jésus le na fils Yesu, de Dieu. Ule mwana wa Mungu. Est venu passer par là. Alikuwa kupitia lwa pale. L'épée l'a eu. Mupanga limupata. C'est là où Branham apprêche la cruauté du péché. Branham na ubiri buchungu bwa nzambi. Amener le fils de Dieu à être tué. Kuma mwana wa Mungu ba muwe. Vous voyez? Munaona? Quand on a placé l'épée en Eden. Jua nini baritiaka ile mupanga mu Edeni? Pour empêcher l'homme. Kwa ajili ya kumzuiza mtu. De venir manger à l'arbre de vie. Asikuye kula ku ile mbuchi ya uzima. De peur qu'il ne devienne éternel. Kwa namna asikuwe wa milele. Sans les plans de la rédemption. Bila mapo ya ukombozi. Qui peut dire amen? Sema amina. Voilà. Jo kwa mana. Cette épée. Il est mpanga. Depuis ce temps-là. Tangia ile siku ile. Est resté dans les mains des anges. Il ibakia mu mikono ya ba malaika. Quand Jésus est venu. Wakati Yesu alikuya. Lui le vrai Judas. Yeye ule Yuda wa bia kweli. Il avait l'épée. Alikuwa na yule mpanga. Il avait le commandement. Alikuwa na amri. C'est qu'Adam a perdu. Ile Adamu alipoteza. Il pouvait parler. Aliweza kusema. Commander la nature. Urusu mazingira. L'épée était dans Judas. Mpanga alikuwa katika Yuda. Quand il est retourné au ciel. Wakati arudia mbinguni. Les anges ont gardé l'épée. Malaika bakachunga tena ile mpanga. Malgré la mort de Jésus à la croix, on n'a jamais remis l'épée à l'homme. Mais la rédemption de l'homme, c'est cette épée-là, retournée dans l'homme. Et voilà, natazama, Sabino Canyon. Sabino Canyon. William Branham, notre précieux frère, Duku yetu Adamani, avec les mains levées, na mikono yulu, en train de prier, eko naomba, mupanga, est tombé inanguka, dans sa main. Mukono yake, et on lui dit, na banamwelezea, c'est l'épée du roi, ni yule mupanga wa yule mfalme. Amen. Amina. On commence d'abord à remettre l'épée à l'homme. Wananzia po kurudisha yule mpanga kwa mtu. Et deux semaines après, na wiki mbili baadaye, la niwe photographie. Wingo ikachukuliwa picha. L'arbre de vie. Ile muti ya uzima. Qui retourne dans l'homme. Inaruria tena ndani ya mtu. Et aujourd'hui on adore Dieu. Na leo beko na mwabudu Mungu. Chez les nations. Kwa batu ya mataifa. Nous n'adorons plus chez les Juifs. Atuabudu tena kwa batu ba Kiyahudi. Shilo est venu. Kwani Shilo alikuya. Oh, je vais attendre que quelqu'un dise amen ici. Sema amina huku. Dis-lui, tu n'as pas l'épée on a donné à frère Branham. Mweleza sema, wewe ukone pale walipatia ndugu Branham mpanga. C'est-à-dire l'épée qui était Juda. Maana yake mpanga haina tena kwa Yuda. Dis-lui comme Shilo est venu. Mweleza sema, vile Shilo alikuya. Nous adorons notre Jésus chez les nations. Yesu wetu, tuko na mwabudu ni yuko kwa batu wa mataifa. Dis-lui ça. Mweleza paka vile. Dis-lui il faut avaler. Mweleza sema meza na kumeza. Comme Shilo est venu. Vile Shilo alikuya. Notre Jésus. Yesu wetu cheye. Nous l'adorons chez les nations. Tuko na mwabudu kwa ba mataifa. L'adoration a voyagé. Mwabudu kuringia musafari. Voilà pour Jokwa mana. Les mages. Wa majusi. Ont dit. Walisema. Où est-il? Eko wapi? Le roi des Juifs. Ule mfalme wa Bayahudi. Qui vient de naître. Ule anatoka kuzarika. Nous avons vu son étoile. Tuliona nyota yake. En Orient. Kumashariki. Et nous sommes na tunakuya huku kwa ajili ya kumwabudu. Qui peut dire amen? Sema amina. Le voyage de l'adoration va de l'est à l'ouest. Safari ya kuabudu, ikunatoka kwa asubuhi, inaenda kumangaribi.
Et comme les Arabes écrivent par l'hiéroglyphe. Na vile wa Arabu wanaandika kwa hieroglyphe. Et leur écriture va. Na miandiko yabo inaanziaka. De l'est vers l'ouest. Kwa asubuhi kwenda kumangaribi. C'est comme ça que Jésus fait avec les parcours. Njoo paka vile Yesu anafanya na safari yake. Comme l'éclair va de l'orient. Paka vile mwanga natoka kwa asubuhi. Jusqu'en occident. Inaenda kumangaribi. Ainsi sera-t-il. Njoo paka vile itakuwa. Si tu adores un Dieu qui est à l'est, tu es perdu. Kama wewe uko na budu Mungu yako kwa asubuhi, hiyo asema ushakupotea. Que je chauffe un peu. Ni changamushe. Juste un peu. Ni changamushe tu kaloko. Et quand on adore Dieu chez les nations, il a quelle forme? Na wakati kunabudu Mungu kwa bato mataifa. Eko na nsula kani? Est-ce que vous adorez la forme? Badada, Mungu nabudu nsula. Celui qui adore la forme, il est perdu. Ule kunabudu nsula, alishapotea. Nous adorons Dieu. Je tu kunabudu Mungu. Chez les nations. Kwa bato mataifa. Pour les nations. Kwa ajili ya mataifa. Dans les nations. Ndani ya mataifa. Amen. Amen. Je vois Dieu dans mon frère Jacob. Mina ona Mungu ndani ya ndugu yangu. Mina muabudu Mungu ndani ya ndugu yangu. Amen. Chez les nations. Kwa watu wa mataifa. Sœur, adorez Dieu dans ton mari là-bas à la maison. Dada, kama uko kwako kunyumba, abudu Mungu ule uko ndani ya bwana yako. Amen. Tu ne crois pas en lui? Au muamini bwana yako? Bon, s'il est païen. Kama bwana yako eko mupagano. Il est Dieu en toi. Kumbi abudu ule Mungu uko ndani yako. Amen. Amina. Mais quand vous venez à l'église, Dieu est représenté par le ministère. Qui peut dire Alléluia? Alléluia! Amen! Amen! Oh my God! Bon, c'est comme si je vais commencer à prêcher, mais je dois. Je vais vous commencer à fatiguer, je vais terminer. Minona mnaanza kuchoka, mwache mitamaliza. Dans les fils de Dieu manifestés. Mumahubiri wana wa Mungu walionekana. Paragraphe 49 banamdi. Kifungu yake 49 ndipo manasema. Bon, dans la Bible. Basi katika Biblia. Nous vivons dans les derniers jours. Tukunaishi masiku za mwisho. Au sommet de la pyramide. Kuchongo ya mnara. Les poissons croisés de l'âge du cancer. Masamaki liyoungana ya kizazi kya kansa. Dans les zodiacs. Muma zodiaki. Au temps de la venue de Léo, le lion. Wakati wa ujio ya Léo, ule Simba. De la pierre de fête au temps de la manifestation des fils de Dieu dans la Bible. Ya ujio aliwe ya chongo wakati wa maonekanisho ya wana. Vous voyez où nous en sommes? Munaona fazi tulishafikia. Nous sommes exactement au temps kabisa, de la kabisa fin. Tuko ku wakati ya mwisho. Partout vous il dit nous sommes dans l'âge du cancer tout ça c'est pour identifier seulement l'âge de la Odyssée. Bashote on a sima tu comme kizazi ya cancer biote bile ni kwa ajili ya kuonesha tu waziwazi kile kizazi kya Laodikia. Mais quand il parle à l'âme ici wakati on a sema kunafsi adoption n'est pas n'importe quel enseignement weka kama mwana haiko mafundisho yoyote. Ça c'est le placement du fils. Ile ni kutili kumtia mwana pafashi yake. Il dit nous sommes au temps du lion. Anasema tuko ku wakati wa Simba. Dis à ton ami, nous sommes au wakati ya Simba. Shiloh est venu. Shiloh arishakuya. Tu commets le mal, je t'aide comme ton frère ou ta soeur. Tu refuses, je te donne la conséquence de la venue de Shiloh, que celui qui est suyé. Unafanya nkosa, mina kusaidia sanduku yangu, sadada yangu. Unakatala, naangalia kinyume ya ujio ya Shiloh. Ula shakurichafula, endele na kurichafula. Ne souffrez pas trop. Ushirite swe sana. Shiloh est venu. Shiloh arishakuya. Tu aides quelqu'un, il ne veut pas. Unasaidia muntu ashipende kumusaidia. Que celui qui est suyé. Ula shakurichafula. Se suit encore. Endele na kurichafula. Amen. Amina. Bon, on part terminer. Basi, tutamaliza. En fait, les zodiacs, nous ne l'adorons pas. Ni kusema, ma zodiac ya tuyabutu. Si quelqu'un commence à s'incliner devant les étoiles. Kama mtu anaanza kuinama mbele ya manyota. Pour dire, oh mon étoile. Ndio kusema, hey, nyota yangu. Là, ya, ça ne va pas. Pale kuko kila kiendeke.
Parce que dans le livre des rois, Dieu a condamné toute une nation. Mungu alihukumu taifa mzima. Dans 2 rois 23 verset 5. Wafalme wa pili 23 mstari wake 5. Il chassa des prêtres des idoles. Alifukuzaka wapadri wa masanamu. Établi par des rois de Juda. Waliotiliwa na wafalme wa Yuda. Pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans des villes de Juda. Kwa ajili ya kuchoma manukato pa mafasi minene ya mtauni ya Yuda. Aux environs de Jérusalem. Kando kando ya Yerusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, na wale wakua na toa manunkato kwa Bali, au soleil, kwa jua, à la lune, kwa mwezi, au zodiac, kwa mazodiaki, et à toute l'armée des cieux. Na kwa majesi zote za kimbinguni. Dieu n'aime pas l'adoration des créatures. Mungu apendake kuabudu viumbe. Nous on adore les créateurs. Je yuko na mwabudu muumbaji. Un frère m'a fait rire, il est allé chercher la femme dans une assemblée. Je lui ai écrit la lettre pour qu'on l'accepte là-bas. Et le papa de la jeune fille dit, tu viens de fellowship. Mais le coût de votre assemblée, votre pasteur est tellement profond. Est-ce que tu n'adores pas Branham? Eti wewe tu mukweri au awabudwaye Branham? Les gens ont peur de loin. Bantu beko na shikiria boka loambari. Je suis votre frère. Mie niko nduku yenu. Mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mungu wangu ni Bwana Yesu Kristo. Dieu m'a fait seulement la grâce de creuser les Mungu messages. Mungu alinifanyia tu neema ya kuchimba ujumbe. Mais j'adorerai jamais Wana William Branham. Sitabudwaka kamwe William Marion Branham. Même pas en secret. Ata mundoto. Jésus-Christ, le Dieu de Branham, c'est lui mon Dieu. Jésus-Christ, Mungu wa Branham, njo Mungu wangu. Je sais seulement où l'adorer. Mie mina jua tu fwashi ya kumwabuduia. Parce qu'à la venue de Shiloh, nuku ujio ya Shiloh, le trône se déplace. Isi ya enzi kinama. Ça quitte le Juif. Kinama kubayahudi. Ça va chez un autre peuple. Kinamia kwa taifa ingine. Chez les Sion. Kwa watu wa mataifa. Amen. Amina. Job 9. Yobo 9. Verset 7. Stari yake ya 7. Il commande au soleil. Le soleil ne paraît pas. Il met un saut sur les étoiles. Anaruhusu kwa jua. Jua yonekani anatia muri pa manyota. Il est le seul. Yeye kwa yeye peke. Il a créé la grande ours. Aliumba ule dubu mkubwa. L'Orion. Orioni. Et les Pléiades. Na mapléiadi. Et les étoiles même des régions australes. Na manyota ya mujimbo ya kostrali. Ah, c'est là où nous sommes par la grâce de Dieu. Njo fashile tuiko kwa neema ya Mungu. Depuis les zodiacs, Dieu reconnaissait les étoiles de la région australe. Tangia. C'est en Afrique. Yake Mungu alitambua manyota ya mujimbo ya Australia. Australia ni kwa Afrika. En Afrique. Mu Afrika. Il a vu certaines étoiles. Asema manyota zingine. Dans la région australe. Mujimbo ya Australia. Qui joueront un grand rôle dans le plan de la rédemption. Mapo ya ukombozi. Ce n'est pas El Rash tout seul. Aina paka El Rash ye mwenyewe. Ils sont là. Bekwako. Mais ils ne sont pas nombreux. Lakini abana ba mingi. Les étoiles australes. Manyota ki Australia. Qui jouent un grand rôle. Nafanya kazi kubwa. Parce que de même que c'est parti de l'est à l'ouest en passant par le nord. Subui inenda kumangaribi mkupitia kaskazini. Par le nord. Kupitia kaskazini. Au retour. Kukururia. Ça passe par l'Afrique. Inapitia ku Afrika. La région australe. Ile jimbo ya australe. Et là vous trouvez les étoiles australes. Kule unakutanisha manyota ki australe. Rempli de la profondeur. Yojaziwa na upana. Rempli de l'onction. Yojaziwa na upako. Pour jouer ce grand rôle. Kufanya ile kazi kubwa. D'habiller les poux. Ya kumuvika bibi arusi. Na roba sete couleurs. Marangi avec saba. Les sept tonnerres. Na miunguruko avec saba. Les sept sceaux. Na miuri saba. Avec les sept vertus. Na mafazili saba. Hey! Amen. Amina, amina. Je suis content. Niko na furaha. D'être l'une des étoiles ya kwa des gens australes. Kati ya manyota mujimbo ya Australia.
Amos 3. Amos 3. Le lion rugit-il dans la forêt? Eti simba anongolomaka mupori. Sans avoir une proie? Bila ye kuwa na nyama kulumbata. Et laisse-moi parler un peu de sa proie. Na acha niseme nyama yake kulumbata. Quand le lion attrape, wakati simba na lumbata, sa partie préférée ce n'est pas la tête. Simba sehemu ile anapendaka kuria haina kichwa. Il n'y a pas de chasseur ici. Hapa hapana wawindaji. C'est le cœur. Simba anapendaka kuria moyo. Shilo est venu. Shilo anakuya. Le but de tous ces enseignements profonds. Kifukuzio kia hii mafundisho yote ya upana. Ce n'est pas seulement la connaissance dans la tête. Haina paka ujuzi kukichwa. Il a besoin de votre cœur. Yeye anazima ya moyo yako. Qu'il entre là. Aingie mule ndani ya moyo yako. Qu'il te change. Akubadilishe. Parce que il vient comme le lion. Wani anakuwa kama simba. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Et tu naweza kumfunguria moyo. Amen. Amina. Le cœur. Moyo. C'est pourquoi Malachi 4 vient pour le cœur. Ni kwa maana Malachi 4 anakuya kwa ajili ya moyo. Uko na roho mubaya utaingia mbinguni. Il faut avoir un cœur capable de pardonner. Unapasha kuwa na roho ya kuweza kurumia. Un cœur capable d'aimer. Roho ile kuna uwezo ya kupenda ndugu yako. La semence de Dieu. Mbeko ya Mungu. C'est le pardon. Ni huruma. Ne peut pas être là. Lui, là, ah, moi, non, avec lui. Mi enaye, peka na kulufu. Mi avec lui. Mi enaye. La semence de Dieu, c'est le pardon. Mbeko ya Mungu ni kuyua kurumiana. Le cœur, c'est l'habitation de Dieu. Moyo, njo fashi Mungu anekalaka. Pas de problème. Amuna mambo. Pas de rando. Amuna sema nika kurudishiaka utenichika we. Quelqu'un dit amen. Unasema amina. Est-ce que quelqu'un dit un amen très fort? Unasema amina ya nguvu kabisa. Ah, ne diminuez pas l'amen. Ah, usipunguze amina. Un amen très très fort. Amina nguvu kabisa. Le lion a besoin du cœur. Simba ako na lazima ya moyo. Qu'il vient dans votre cœur. Akuye mu moyo yako. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Eti mtau ni mnafikaka ole bila wa milele akue chanzo yayo. Le lion rougit, qui ne sera effrayé? Kama simba nongoloma nani ula atatetemeka? Le Seigneur a parlé. Bwana alishasema. Qui ne prophétiserait? Nani ula atatabiri? L'Éternel ne fait rien. Wa milele afanyake kitu? Sans au préalable révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Bila kwanza kufunua siri zake kwa batumishi bake manabii. Amos 5:8 dit encore il Amas... a créé les Pléiades et l'Orion. Amos 5:8 anasema tena aliumba Pléiades na Orion. Il change les ténèbres en aurore, dit amen. Et yona badirisha ngiza inakuwa mapambazuko, sema amina. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Anakuishaka mchana inakuwa ngiza njua kuifanye kwe bushiku. Oh, gloire au Seigneur. Eh, utukufu kwa Bwana. Alors, il est celui qui menace. Sasa ni yeye eko na teketeza. Les gens qui changent l'absinthe en les droits en absinthe. Watu wale wanabadirisha haki kwa absensi. Je crois et je sais najua qu'il y a de monde mystique. Kuna dunia ya kiuchawi. Mais regardez-moi bien. Kwa lakini munitazame. À toi je dis ceci. Kwako wewe ni kunasema hivi. Personne ne peut toucher à ton étoile. Hakuna mtu anaweza kugusa kunyota yako. Quelqu'un dit amen très bien. Unasema mimi na mzuri. Dieu qui crée les Pléiades, qui crée l'Orion, Orion, il déclare anatangaza que lui-même asema ye mwenyewe, il peut changer les ténèbres en aurore. Anaweza kugeuza ngiza inakuwa mapambazuko. Crois en Dieu. Amini Mungu. Crois en lui. Weye umuamini tu. Et abandonne-toi. Na ujitole. Frère trésor, il est celui qui peut faire que l'impossible devienne possible. Ndugu trésor, yeye ndio anaweza kufanya bila biko nguvu kwako binakuwa teketeke. Au-delà de l'imagination. Kupitia bila unaweza kuwazia. Tu vas recevoir un coup de téléphone spécial. Utapokea simu ya kipekee. Et ça va changer toute chose. Na itabadilisha kila kitu maisha yako.
Il est là. Les créateurs de l'Orient. Les créateurs des Pléiades. Ils changent les ténèbres en aurore. Et je te dis que même ta maman païenne n'a pas de droit. Même n'importe qui dans ta famille n'a pas de droit sur ta vie. Je pensais que tu allais dire un amen très fort. Un amen qui fait mal au diable. Muma shetani. Oh my God. Hey, Mungu wangu. Je pars terminer. Miko naenda kumaliza. Dans la prédication un paradoxe. Muma ubiri kitenda wili. 18 avril 64. Ya 18 avril 64. Paragraphe 9. Kifungua katisa. Frère Branham a fait une déclaration ici. Il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine des pyramides. Mais ne vous mettez jamais en tête que moi, je crois dans des doctrines de la pyramide. Je crois dans la Bible. Vous voyez? Munaona? Et je crois néanmoins que la pyramide a une place là-dedans. Kwa lakini mimi naamini tena kusema pyramide iko na fuashi mule ndani ya Biblia. Je crois que Dieu a écrit trois Bibles. Mimi naamini ya kwamba Mungu aranjika ma Biblia tatu. Il a écrit une Bible dans les cieux. Aranjika Biblia moja mbinguni. Le zodiac. Inaitwa zodiac. Tout le monde le sait. Bantu bote banajua hii mambo. Job en a parlé. Yobo alisemea hii mambo. Comment? Namna gani? Considérez les zodiaques. Mwangalieni zodiac. Ça commence avec la Vierge. Inaanza na bikira. Ça se termine avec Léo, na, le lion. Inamaliza na Léo ule simba. C'est ainsi qu'il est venu. Njovila alikuya. La première fois c'était par la Vierge. Mala ya kwanza alikuyaka kupitia bikira. Ça venait. Dernière, suivante, ce sera Léo, le lion. Yake ya mwisho. Voyez? Itakuwa ni Léo, simba. Mnaona? Il vient en tant que le lion de la tribu de Juda. Anakuya savi le ule simba wa kabila ya Yuda. Et tous ces signes, na ile malama yote ile, les poissons entrecroisés, samaki yenye inaungana, c'est là que nous en sommes maintenant. Fasi tulisha fikia hapa sasa. L'âge du cancer, kile kizazi kia kansa, et tout, na biote, tout cela est significatif. Yote bile biko paka na mana. Mais oubliez cela. Lakini mubisabwe. Vous voyez? Munaona? Ce n'est pas votre Bible à vous. Aina Biblia yenu mweye. N'allez pas commencer à chercher. Mushanze kwenda kutafutisha. Les astrologues. Ba unajimu. Non. Frère Branham nous a Mbanam, dit il a cherché à voir les zodiacs qu'il n'a pas vu. Mais ça y est là. Kwa lakini kwako, notre Bible à lire chaque jour. Biblia yetu cheye kusoma kila siku. C'est cette troisième Bible. Ni Biblia ya tatu. La Bible en papier. Hii Biblia ya kartasi. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez commencer à entrer dans les horoscopes kama au lieu de rester dans la Bible. Utaanza kuingia mwenye mabitu ya mabati pale ya kubakiria mu Biblia. Et là ça devient prédire l'avenir. Na ile na kwa mambo ya kutabiri ujio. C'est faux. Ni vya bongo bile. Tu demandes aujourd'hui c'est dimanche mon horoscope dit quoi? Ce sont des fausses choses. Bati yangu leo inasema nini? Ni mabitu ya bongo ile. Branham dit, Branham anasema, confiez-vous à cette Bible. Uritolee mui Biblia. N'allez pas commencer à chercher kwenda kutafuta. Tu vas aller tomber à la magie à d'autres choses. Kwenda kuanguka na kubuloji na kuchawi na bingine. Oubliez cela. Sabweni ile. Ne veut pas dire ne pas enseigner. Aifie kusema mushifundishe hapana. Oubliez, restez avec cette Bible. Sabweni ile bakieni na hii Biblia. Ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être enseigné sur ça. Il a fait kusema amupashe kufundishiwa. Parce que après avoir déclaré ça, kisha kutangaza hii,
Le 18 avril 64. Le 2 août 64. Il prêche la demeure future. Ce qui montre qu'il n'a pas dit d'abandonner l'étude sur le zodiaque. Mais vous devez savoir où vous vous tenez. Au paragraphe 377, la première Bible, Biblia ya kwanza, de Dieu, ya Mungu, était dans les ciels. Ilikuwaka ni mbinguni, les zodiaques, ma zodiac, qui commence et il parcourt tous les âges. Inaanza na inapita mbizazi biote kabisa. Il vient encore le 28 novembre 65. Anakuwa tena mutaria 28 mwezi wa 11 mwaka wa 65. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Fasi ya upekee ya kuabudu, fasi ile Mungu alitayarisha. Paragraphe 216. Kifungo kyake cha 210. Il dit la première Bible qui a été écrite dans les ciels. Avez-vous remarqué cela? Les... Et commence avec la Vierge. Le premier signe du zodiaque. Le dernier signe c'est Léo, le lion. Il est venu premièrement par la Vierge. Et il vient ensuite comme lion de la tribu de Juda. Juste avant cela, il y a l'âge du cancer. Des poissons qui se croisent. Et tous les autres âges. Si nous avons du temps, kama tutu kuna wakati, nous pourrons étudier cela. Tunaweza kujifunza ile. Nous l'avons fait au tabernacle. Tulifundaka ku maskani. Frère Branham avait enseigné ça. Ndoko Branham alifundishaka zodiac wapi? Ku maskani. Quand tu tombes sur une écriture qui te semble difficile, viens seulement me voir. Je ne vais plus dire il faut manger et rassasier parce que les gens comprennent ça mal. Venez seulement me voir. Même si tu n'as pas mangé et rassasié, venez me voir. Montrez-moi que pasteur ici. Et on va bien parler. Donc frère Branham a parlé du zodiaque. Au tabernacle. Et dit si nous avons le temps, nous allons encore l'étudier. Donc c'est un enseignement profond. Très important. Branham nous refuse tout simplement d'aller au-delà. Branham anatukataza tu tutambuke pa hii mafundisho tuende tukatafute bingine. Tu vas aller peut-être dans des librairies. Je cherche la Bible zodiaque. Non. Utaenda mfashi bwana usha mabitabu. Mimi natafuta Biblia ile banaita zodiaque. Hautaipata. Non. Hautapata ile Biblia. Tu vas tomber sur autre chose. Batakupatia kitabu kingine. Reste ce que frère Branham. Bakiria pa bile ndugu Branham alisha sema. Amen. Amina. On va finir. Tutamaliza. Ah, d'ailleurs, ces citations, je vous ai déjà tout donné. Écrivez seulement. Question-réponse du 30 novembre 64, du 30 août plutôt 64. Pourquoi je lis ces citations? Tout au long de cet enseignement, j'ai beaucoup insisté sur la nouvelle naissance. Quels que soient les signes, quelle que soit la lignée, l'hérédité, l'environnement, les éléments, nous disons pour ceux qui veulent se choisir, c'est très bien. Mais ceux qui sont déjà mariés, ne changez rien. Vivez seulement la parole et priez Dieu pour la nouvelle naissance. Parce que c'est frère Branham qui dit au paragraphe 60, j'ai sondé d'abord la vie de cette personne. J'ai découvert son lieu de naissance.
les signes sous lesquels il était né. Et je pouvais savoir quelle était sa naissance. Donc ce sont des choses branamiques. L'influence que cela exerce sur son caractère. Son caractère naturel, la place dans une certaine lignée. Puis quand elle est née de nouveau, elle est ici dans cette autre nature. Qui peut dire amen? Au paragraphe 96, il dit: et cette personne qui est en vous, ce qui est votre naissance, vous êtes John Doe, vous êtes né à un certain mois, vous êtes né sous une certaine étoile, vous êtes né sous une certaine chose. Et cela a quelque chose à voir avec vous, certainement. Donc c'est branamique. Ce n'est pas de fabrication. Au paragraphe 104, la même prédication. Maintenant, ça c'est votre voix. D'après votre naissance, c'est ce que vous êtes, un homme naturel ou une femme naturelle. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, il ne s'agit plus de la conscience extérieure. L'extérieur, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous goûtez, c'est ce que vous touchez, ce que vous sentez, ce que vous entendez. Mais l'intérieur de cela, c'est ce que vous êtes réellement. Amen. Amen. La nouvelle naissance, elle est très importante dans les zodiacs. Les étoiles sont là-bas. Mais laisse-moi te dire que Dieu avait promis à Zacharie au chapitre 3, verset 8. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Aujourd'hui, les signes, ce sont des hommes. C'est toi. Et il a promis la venue du germe. Je ferai venir mon serviteur le germe. Ah, ça on touchera dans d'autres messages. Donc remarquez qu'aujourd'hui, des signes sur la terre, ce sont des hommes. Et tu es aussi la pierre. Les pierres de naissance, les pierres porte-bonheur, ce sont des hommes. Ya kizalikio, mawe ya bati, ni bantu. Ce sont des hommes. Ni bantu. C'était Ruben. Ni muntu. C'était Ruben. Ikwani Ruben. C'était Simeon. Ikwani Simeon. C'était Lévi. Ikwani Lévi. Représenté au pectoral. Mwenye kuwakilisha pa ubao parikilari. La pierre porte-bonheur, c'est toi-même. Ile ribwe ya bati, ni we peke. Jésus a dit, Yesu alisema, si vous empêchez les gens de crier, je vais susciter des pierres, ils vont crier. Kama munazuiza bantu bashilalamike, talamusha maibwe italalamika. Tu es ta pierre porte-bonheur. Weko ribwe ya bati yako. Ta vie n'est pas un malheur sur la terre. Maisha yako haiko ole pabudongo. Je veux que tu te parles, ma vie n'est pas un malheur. Mina pendo rielezea sima maisha yangu haiko ole. Je suis ma pierre porte-bonheur. Niko ribwe yangu ya bati. Que Dieu fasse de toi un signe. Mungu akufanye we alama. Un présent. Ukwe alama. Il dit voici. Asima tazameni. Des hommes serviront des signes. Batu batatumikia maalama. Frère, quand Dieu fait de toi un signe. Nduku wakati Mungu anakufanya we unakuwa alama. Même dans ta famille ils vont acclamer. Ata familia yako batakupikia mikono. Même tes ennemis vont acclamer. Ata badui bako batakupikia mikono. L'histoire du football a parlé d'un grand footballeur. Hii historia ya kucheza kabumbu ilisema njoo mcheza kabumbu mkubwa. C'est le roi Pelé. Ilikuwa ni roi Pelé. Qui a marqué plus de 1000 buts. Mwenye aliingiza magolo kushindia alfu. Et quand il quittait le football, son dernier but,
Golo yake ya mwisho, c'était un but terrible. Il kwa ni golo ya matatang. Il a effacé l'attaque. Ari kaya benye ba kwa mwisho. Il efface la médiane. Ana kaya ba pakachikachi. Il efface la défense. Ana kaya ba kumwisho. Il a effacé les gardiens. Ana mukaya na moyen. Il a marqué. Ana chapa golo. Le but était tellement joli. Golo ilikuwa butamu sana zaidi. Que le gardien lui-même a acclamé. Wile kipimo. Moye ye mwenyewe anamupikia mikono leba na mwingiza. Et je te dis. Na mina kuelezea. Dieu fait de toi un signe. Mungu anakufanya wewe alama. Et les choses. Na bitu. Que Dieu veut faire dans ta vie. Bile Mungu anapenda kufanya maisha yako. Même Satan. Ata shetani mwenyewe. Va lui-même acclamer. Ata kupikia mikono. Qui peut dire alléluia. Sema alléluia. Voici je ferai des hommes de signes. Tazama tafanya watu maalama. Que tu sois une femme signe. Upate kwa mwanamke alama. Que tu sois un homme signe. Upate kwa mwanaume alama. Oh, je termine, je termine. Mina maliza, mina maliza. Je termine. Mina maliza. Je termine. Mina maliza. Oh my. Oh my. J'avais encore des citations. Nilikuwa tena chingalika na miandiko tu mbili ya mikusoma. Bon. Basi. Ça viendra. Itakuya. Dans les choses qui doivent arriver, Mubintu bile binapasha kuya, au paragraphe 31, kifungu yaka 31, Abraham dit, vous voyez, Duba masima munaona, vous étiez programmé par Dieu, muritayarishiwaka na Mungu, de bout en bout. Kwanza mwanzo paka mwisho. Avec Dieu, na Mungu, rien n'arrive au hasard. Hakuna kitu kikunafika kwa bahati. Il connaît tout. Anajua byote. Tout a été programmé d'avance. Biote biritanguria kutayarishiwa. Programmé de génération en génération. Biritayarishiwa mubizazi na bizazi. Pour que vous soyez ici ce soir. Njueye ukuye hapa mangaribi ya leo. Ta vie est programmée. Maisha yako baritayarishaka zamani. Ma voix est partie. Sauti inanikimbia. Dis à celui qui est là à côté, dis-lui, ta vie est programmée. Umweleze yule pembeni yako, umweleze sema maisha yako litayarishiwa. Par Dieu. Mungu ndio alitayarisha maisha yako. Personne ne peut changer. Hakuna mtu anaweza kubadilisha vile Mungu alishaka tayarisha. Ah, je vais attendre un amen. Sema amen. Personne ne peut changer. Hakuna mtu anaweza kubadilisha. Même si tu souffres de l'hérédité. Ataka mero na teswa na mambo ya kizazi. Ça vient de famille. Inatoka ni mukizazi kienu. Ça vient des environnements. Inatoka kumazingira yako. Patati patata. Bifulani na bifulani. Oh, c'est le défaut de son signe. Oh, ni nkosa ya alama yake. Je suis en train de finir, je te lis Colossiens 2. Niko na maliza mkukusomea Kolosia, wa Kolosia sura yake ya pili. Je lis le verset 14. Mina soma mustari yake ya 4, ya 14. Et 15. Na 15. Je vais lire ça pendant que tu es debout. Mita isoma wakati ile uko bwima. Juste comme tu te lèves, là sois élevé aussi. Paka vile kuna shimama, inyuka pia. Il a effacé. Alijimisha. L'acte. Il est tendo. Dont les ordonnances nous condamnaient. Il est magizo, il kwa na tukumu. Et qui subsistait contre nous. Na ile likuwaka kwa ajili ya kutupinga sheye. Il l'a détruit. Aliharibu. En le clouant à la croix. Muku musulubisha kumsalaba. Il a dépouillé les dominations. Alinyanganya mautawala. Et les autorités. Na mamulaka. Et les a livrés publiquement en spectacle. Na litoa wazi mbele ya watu. En triomphant d'elle par la croix. Muku iwina kupitia musalaba. Lève ta main. Inyua mkono yako. L'acte de condamnation. Ile tendo ilikuwa na kuhukumu. Qui te retenait. Ile ilikuwa na kufungia njia. Qui était en train de réclamer les choses contre toi. Ile ilikuwa na dai bintu bikupinge. Contre ta santé. Bipinge afya yako. Contre ta vie spirituelle. Bipinge maisha yako ya kiroho. Ta vie de finances. Bipinge maisha yako ya kipesa. Contre ta vie de matériel. Bipinge maisha yako ya kivitu. Tout
les actes et les ordonnances qui te condamnaient. Jésus l'a détruit. Yesu aliaribu. Je vais attendre un amen. Sema amina. Jésus l'a détruit à la croix. Aliaribu kumusalaba. Et que rien ne peut encore te condamner. Nakuna tena kitu kinaweza kukuhukumu. Oui, Jésus a tout détruit. Yesu aliaribu biote. Par la croix. Kupitia musalaba. Et laisse-moi voir si c'est la vérité. Na acha nione kama ni ukweli. Avec ta main levée toujours. Na mkono yako yulu paka. Je lis dans confirmant sa parole. Bina soma maubiri mkuhakikisha neno lake. Paragraphe 284. Kifungu yake 284. Branham dit, croyez-vous? Branham asema unaamini? Croyez-vous? Unaamini? Eh bien. Basi. Une ombre noire. Kimvuri keushi. Qui peut se mettre au-dessus. Kile kinaweza kushimama yulu. La mort. Lufu. Le cancer. Kansa. Ou n'importe quoi. Wala aizuru nini? Dieu. Mungu. Peut guérir le cancer. Anaweza kuponesha kansa. Et rétablir. Na kuisha mpya. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Et tunamini ile na moyo yako yote. Croyez-vous qu'il va vous en guérir? Il dit au nom de Jésus-Christ. Je maudis. Mina lahani. Cette chose maudite. Ile kitu ilio lainiwa. Qui est sous les signes. Ile ko chini ya alama. Des poissons entrecroisés. Ya masamaki ilio ungana. Que la croix de Christ. Ile. Ote cela. Ile musalaba ya Kristo. Yondowe ile. Feke cela sanaye. Ifanye ya kwamba ile itoke yende. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Ne doutez pas. Partez. Endeni. Croyez de tout votre cœur. Aminieni na moyo yenu yote. Amen. Amina. Si tu peux croire. Kama tu naweza kuamini. Tout est possible. Yote inawezekana. La croix enlève tout. Musalaba inaondoa byote. Et William Branham. Na William Branham. Maudit. Analaani. La malédiction. Ile laana. De ton signe. Ya alama yako. De ton signe zodiacal. Ya alama yako ya kizodiaki. Quel que soit le problème. Aizuru mambo ile unayo. Si c'est la maladie. Kama ni magonjwa. Si c'est un besoin. Kama ni hitaji. Frère Branham, croyez. Ndugu Branham anasema amini. Est-ce que quelqu'un dit je crois? Eti unasema mimi naamini. C'est le mot. Tout est possible. Soyez révérencieux. Wana ishima kabisa. L'ange est dans la salle. Malaika est comme vous. Oh, man.
te crois. Alléluia. Le Dieu véritable, tu as créé l'Orient pour te représenter. Tu as créé les Pléiades et la Grande Ourse pour représenter des messagers. Tu as créé la petite ours pour aider à la navigation des voyageurs. Les ministres auxiliaires pour aider les croyants à rester avec les messagers. Oh Dieu Tout-Puissant, nos cœurs sont inondés de la grande satisfaction pour ces grands enseignements sur les zodiaques, couronnés par ton esprit, couronnés par la présence surnaturelle. Ceci me prouve que tu es venu sceller les étoiles. Nous te disons merci, Jésus. Sois loué. Sois adoré. Sois élevé. Reçois l'adoration. Reçois les honneurs. Reçois nos cris. Reçois nos alléluia. Reçois nos louanges. Oh Dieu. Merci pour la croix. Tu as effacé. Tu as détruit
les actes, les ordonnances qui nous condamnaient, qui nous retenaient. Nous sommes dans la joie d'écouter Frère Branham prier. Maudire la malédiction de chaque signe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare le positionnement de chaque étoile. Au nom de Jésus-Christ, je déclare l'alignement des planètes d'une manière positive à tes enfants ici, présents. Même ceux qui sont en ligne, même ceux qui vont écouter. Père céleste, Père céleste, Père céleste, que cette onction qui est ici change les choses. Change la nuit en aurore. Change l'absinthe en droit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ne laisse personne sortir comme il est venu. Père céleste, que ce soit des malédictions familiales, ce que nous appelons l'hérédité, que ce soit les malédictions liées aux environnements, liées aux signes, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ton peuple soit libéré, placé, positionné, élevé, béni. Père, Seigneur, aimer ces cantiques. Et lorsque nous chantons, toi l'ange, tu es là. C'est toi qui es en train de les chanter en nous. Donne la réponse à chaque prière. Que ce soit la nouvelle naissance, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit un bon travail, que ce soit un bon mariage, que ce soit n'importe quelle demande que nous menons sur l'autel de Malachie 4, là où le sceptre est venu, là où l'adoration est venue, pour t'adorer, toi le vrai Dieu, toi le Seigneur Jésus-Christ, sur l'autel de Malachie 4. Nous déclarons que tu l'as fait. Nous déclarons que c'est arrivé. Nous déclarons que c'est accompli. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père, manifeste-toi. Soutiens tes serviteurs. Accorde à chacun les désirs de son cœur. Ô Dieu, ô Père, ô Seigneur, ô notre Dieu, ô toi les lions de la tribu de Juda. Oh, toi l'ange de l'éternel. Oh, toi qui es plus beau que 10 000 pour nos âmes. Oh, toi le soleil de la justice. Oh, toi la rose de Sharon. Oh, toi l'hélice de la vallée. Oh, toi l'étoile brillante du matin.
Oh, toi la solution à nos problèmes. Oh, toi l'invincible dans tous les âges. Oh, toi le meilleur des meilleurs. Oh, toi le plus beau. Oh, toi le plus merveilleux. Oh, toi le roi des rois. Oh, toi le seigneur des seigneurs. Oh, toi qui es la réponse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens. Descends. Touche. 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 Élève. Pardonne. Place. Bénis. Restaure. Oh Dieu. Descends. Dans la matrice de cette assemblée. Descends. Descends. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Notre Père et notre Dieu.
Toi, l'étoile brillante du matin, le lys de la vallée, Elohim l'effort. Nous te disons grandement merci. Merci notre Père pour ta parole. Merci pour ta présence. Dieu bien-aimé, tu as dit que c'est lui qui écouterait ses prophètes, qui croirait ses prophètes à sa juste valeur, aura la récompense de ses prophètes. Et tous ceux qui l'écouteront seront bénis. Dieu bien-aimé, nous venons d'écouter la voix de l'ange, le message du temps de la fin. Laisse que chacun de nous dise comme Marie, qu'il me soit fait selon ta volonté. Bénis notre pasteur que tu as utilisé. Bénis mon frère et bénis ma soeur. Bénis la semaine que nous venons de commencer. Que la bénédiction de Dieu, le miracle de Dieu qui a accompagné l'ange, nous accompagne cette semaine. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les acclamations. Merci notre Père. Rentre avec chacun de nous et bénis notre Église et notre pasteur et tous les offices et nos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Merci beaucoup, nous sommes arrivés presque à la fin. Alors que les honorables...